Salut à tous. Ah, terrible, terrible. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, ça fait vraiment plaisir d'être invité et tout. Et surtout, comme c'est un début et tout, c'est un message super positif pour les quelques contenus que j'ai postés. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Ok. Donc, mon nom, c'est Olivier Cardone. Ouais, mais t'es pas le premier. T'es pas le premier. En fait, c'est un nom d'origine néerlandophone. Donc, le O et le E se dit OU. Et voilà. Dès que je viens en France, c'est toujours comme ça. Donc, aucun souci, j'ai l'habitude. On dit Cardone. Comme si c'était un U, mais avec y a un E à la place, en fait. Voilà. Avec un E, pas un U, voilà. Donc Olivier Cardoun, je pratique le jiu-jitsu brésilien depuis 2007. J'ai commencé les arts martiaux avant, en fait. J'ai un parcours où j'ai fait un peu de pied-point. J'ai fait du jiu-jitsu traditionnel. Puis je suis passé au sambo, sambo combat. J'ai fait un petit peu de MMA en amateur, genre j'ai fait deux combats. Et en fait, dans le cadre de la préparation justement de ces deux combats et tout, j'avais commencé à faire un peu de sol parce que bon, comme je venais du jiu-jitsu traditionnel et que je venais du sambo, je connaissais quelques techniques au sol et tout. Mais le sol, c'était moins ma priorité dans le sens où comme j'avais déjà fait un peu de kick, un peu de muay thai et tout ça, bah, c'est vrai que j'étais plus à chercher à combattre debout. Et alors donc j'ai fait un tournoi amateur qui s'appelait à l'époque, c'était en 2008, le Shooto Running Up Challenge. Donc l'idée c'était de faire passer des amateurs en semi-pro. Et en fait, deux fois, je me retrouve au sol. Donc, il y a un gars qui est dans ma garde. J'essaye une clé de bras, je foire. J'essaye un triangle, je foire. Finalement, je finis par gagner le combat à la décision. Mais il y a deux belles opportunités de soumission qui me passent sous le nez. Et alors, même chose avec le deuxième combat. En fait, deuxième combat, j'arrive à amener le gars au sol. Je me retrouve dans son dos. Et pendant quelques minutes, j'arrive à le maîtriser dans le dos et tout. J'essaie vraiment de soumettre, j'essaie vraiment de faire un étranglement, mais à l'époque, j'arrive pas en fait. Et du coup, je me dis, bah, c'est vraiment dommage. Là, j'ai des opportunités de soumission et j'arrive pas à les concrétiser. Et du coup, ça coïncide plus ou moins avec l'arrivée de Jackson Paolo en France. Donc, je pense que D'accord. lui, il est arrivé 2008, début 2008 ou courant 2008, je sais plus très bien. Et donc, lui, il participe aussi à ce tournoi. On a eu l'occasion de se croiser plusieurs fois à des stages avant. Et moi, j'ai commencé régulièrement à m'entraîner avec lui et tout. Et à ce moment-là, je tombe vraiment amoureux du jiu-jitsu brésilien, en fait. Donc, j'arrête tout le reste. J'essaye de me consacrer à fond au JJB depuis ce moment-là. Donc là, on est en 2008. Par la suite, je fais quelques compétitions, ceinture blanche, ceinture bleue. Mais bon, à l'époque, il y avait moins d'opportunités de compétition que maintenant. Et finalement, voilà, je décide de ralentir un petit peu ma pratique du JJB parce que ben, voilà, le travail, les enfants et tout ça font que, ben, comme plein de gens, arrivé fin de ceinture bleue, on est atteint du blue belt blues, où on a l'impression d'être un peu limité en termes de progression, tout un tas de raisons qui font que finalement, on va moins à la salle, donc il y a les blessures. Je pense que j'ai tout expérimenté. Moi, j'ai eu les blessures, le poids, les frustrations en compétition, les frustrations avec les passages de grade, j'ai tout eu. Les frustrations avec pour les passages m'empêcher de grade, j'ai tout eu. Les frustrations avec ce qui a fait que je suis resté très longtemps ceinture bleue, en fait. Et finalement, j'ai rencontré en changeant de club, en fait, j'ai rencontré un nouveau professeur qui, lui, m'a, en fait, sa vision du jiu-jitsu elle m'a vraiment motivé à fond, en fait, ça m'a vraiment galvanisé et tout, et ça m'a reboosté à fond dans ma progression, et voilà. Donc, finalement, un long parcours, on va dire, 20 ans d'arts martiaux. Pour arriver aujourd'hui, je suis ceinture marron depuis un an maintenant. Et voilà, je me donne à fond dans l'analyse de match parce que j'adore vraiment le côté tactique du JJB, en fait.
Ouais, ben justement, j'avais mon micro qui était coupé pendant l'intro, donc on n'a pas du tout entendu mon intro. Je suis désolé pour ce petit incident technique. Donc, je disais dans l'intro donc que tu fais des statistiques. Moi, c'est pour ça que je suis tombé. En fait, je suis tombé sur ta chaîne par hasard. Je crois que tu partageais un lien sur Facebook et j'ai regardé et ça m'a interpellé vraiment dans le sens où il y a pas grand monde qui fait ça justement. Et c'est très spécifique et c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce concept que tu as créé en fait? Ouais, donc en fait, avec ma chaîne, j'essaye de pousser trois trucs. Le premier, c'est les analyses de match. Donc, c'est de regarder un petit peu quelles sont les techniques qui sont utilisées par qui, comment, quelles séquences, etc. Parce que je trouve que regarder des matchs, c'est vraiment une clé de lecture sur le JJB en général, en fait. C'est que aujourd'hui, on a une source d'information sur YouTube, sur les sites qui permettent d'apprendre du jiu-jitsu en ligne, etc. Il y a des techniques partout, en fait. Donc, pour ceux qui se souviennent de l'époque justement d'avant, YouTube, Facebook, etc., on n'était pas aussi gâtés en fait. Moi, je me souviens que j'attendais avec impatience les DVD de Budo Vidéo, les DVD des tournois des Worlds ou les DVD de techniques de certains et tout ça. On essayait de trouver les vidéos de Marcelo Garcia à gauche à droite et dès qu'il y avait un séminaire, on essayait d'aller. Mais je veux dire, moi j'ai eu la chance de ne pas connaître l'époque juste avant où, comme certains expliquent, ils devaient se déplacer jusqu'au Brésil pour avoir vraiment les techniques à la source. Mais maintenant, on a vraiment des techniques dans tous les sens, en fait. Et il y a de plus en plus de séminaires, etc. Donc maintenant, je trouve qu'on est vraiment gâtés. Et j'ai toujours trouvé. Enfin, l'idée n'est pas de moi, en fait. C'est un partenaire d'entraînement qui m'a expliqué ça. En fait, j'ai eu l'occasion de m'entraîner avec un gars qui est vraiment talentueux. Enfin, j'ai pas envie de parler au passé parce que j'ai plus l'occasion de m'entraîner avec lui et je pense qu'il l'a ralenti ça. Sa pratique du JB, mais c'était un mec qui était vraiment ultra talentueux et il était chez le prof dont je parlais, Pascal. Et en fait, donc Pascal a un jeu plutôt old school et lui, en fait, justement, il avait un jeu très très orienté grappling, très très orienté leg locks, etc. Donc, absolument pas ce que notre prof nous enseignait en fait. Et je lui dis, où est-ce que tu as appris tout ça en fait? Et lui, il me dit, moi, c'est en regardant des matchs. Donc je regarde des matchs, je regarde comment ils font, et puis après, à partir de ce moment-là, je cherche sur YouTube pour essayer de comprendre, ou je cherche sur telle vidéo ou tel instructionnel pour essayer de comprendre comment est-ce que ce truc-là est fait, en fait. Donc un peu le truc à l'envers. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai essayé de partager sur ma chaîne, c'est de me dire, tout le monde n'a pas forcément le temps de faire l'analyse des matchs et tout ça. Moi, ça me plaît vraiment de faire ça, et de regarder les matchs, et d'essayer de comprendre en détail et tout, et de donner mon humble opinion sur ce qui se passe. Si ça peut aider certains pour se dire, ah tiens, moi j'adore le jeu de Lucas Lepri, par exemple, j'ai envie de développer un peu plus ses passages de garde, son single leg, sa sit-up guard, etc. Ouais, y a des vidéos, enfin j'essaye de fournir des vidéos qui permettrait justement de regarder un petit peu qu'est-ce qu'il fait et comment il le fait. Parce que c'est vrai que si on va à un séminaire de Lucas Lepri, enfin, j'ai jamais été à un séminaire de Lucas Lepri, mais pour avoir été à des séminaires d'autres gars très, très, très connus ou moins connus, il y a des gens qui viennent et qui font un petit peu en fonction de la mode. Ils viennent donner plein de techniques qui sont demandées par les gens, mais ils ne donnent pas forcément leur jeu à eux. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, et ça, c'est la deuxième chose que j'aimerais bien développer dans la chaîne, on l'a déjà fait d'ailleurs avec Dany la semaine passée, c'est de m'intéresser justement aux jeux d'athlètes francophones, d'analyser des matchs avec eux et de voir exactement pourquoi eux choisissent telle technique. Qu'est-ce qui leur passe par la tête au moment où ils sont occupés de choisir telle grippe, tel sweep, etc. D'avoir vraiment une idée vraiment de ce qui se passe quand l'athlète en fait de haut niveau fait du JB, quels sont les choix qui guident justement le fait que il va privilégier cette technique-là plutôt qu'une autre. Est-ce que c'est parce qu'il y a un game plan qui est rodé et que on applique juste le game plan? Est-ce que c'est de l'impro? Est-ce que c'est un mélange des deux? Moi, ça m'intéresse vraiment et je trouve que on voit à nouveau beaucoup de choses sur YouTube qui sont toujours un peu le même type d'interview et je trouve que ça, on voit pas assez en fait. Donc justement, la question de l'athlète dans son match, de le voir justement expliquer pourquoi est-ce que lui choisit cette technique plutôt que cette technique-là en fait. C'est des fois des choses qu'on a l'occasion de poser comme question lors des séminaires, mais moi je voyais un peu moins ça sur YouTube. Et alors le dernier truc, c'est l'aspect justement que tu as abordé, donc l'aspect statistique, où moi j'essaye de trouver un peu partout sur le web justement des statistiques avec les sources les plus crédibles possibles de statistiques sur le JJB, de façon à nouveau faire un peu le tri entre d'un côté ce que nous on croit efficace
de notre point de vue, notre pratique, de ce qui fonctionne pour nous par rapport à notre, notre poids, les matchs qu'on a fait, l'expérience qu'on a, les partenaires d'entraînement avec qui on a l'habitude de travailler, etc. Et ce qui, au niveau global, sont les techniques qui reviennent le plus souvent, sont les techniques qui fonctionnent le mieux, sont les techniques qui... voilà. Donc ça, c'est vraiment l'aspect statistique de la chose. Après, moi, l'idée vraiment avec ma chaîne, c'est de fournir les informations. Les gens interprètent ça un peu comme ils veulent et ils en tirent les conclusions qu'ils veulent. Si, sur base de ça, ils veulent élaborer un game plan, c'est une chose possible. Maintenant, l'idée, c'est absolument pas de dire, voilà, ça, c'est maintenant comme... les statistiques disent ça, c'est comme ça que le JB doit se passer, c'est ça qu'il faut apprendre, parce que je trouve que ce serait vraiment dommage, justement, de réduire le JB à des chiffres. Quoi. Ouais. Et du coup, par rapport à tout... Vas-y, Sam. Ouais, parce que moi aussi, c'est un peu pareil. Parce que je vais souvent sur YouTube regarder des combats, des trucs et tout. Et comme je te dis, j'étais tombé sur ta chaîne au tout début, parce que j'ai vu que tu as pris en quelques temps quand même. Il y a pas mal de gens qui sont abonnés à ta chaîne, donc j'ai trouvé ça cool aussi. Ça veut dire que le contenu est sympa. Et au tout début, tu dois avoir, je pense, une quarantaine et tout d'abonnés. J'étais tombé sur ça et j'avais trouvé ça super sympa. Et je trouve que d'ailleurs, vous avez fait une association avec Dany. Ouais. Et je trouve que Dany aussi, c'est un peu... Alors lui, c'est des vidéos plus sur la manière dont, par exemple, Lucas Lepri passe la garde, un peu son système et tout. Et j'ai trouvé ça... Et en fait, j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est un peu comme... Ça fait un peu comme la nouvelle génération, en fait. En fait, c'est plus... en fait, je trouve que c'est plus dans la... C'est nouveau, en fait. Tu vois, c'est nouveau, en fait. Ça fait... Et en plus... Franchement, quand tu regardes, pour moi, quand tu regardes par exemple une vidéo de Dany quand il t'explique le système de Lucas Lepri, pour moi, ça vaut autant qu'un DVD de Lucas Lepri pratiquement en entier. Tu vois, le DVD technique que tu appelles ça, et ben, franchement, c'est parce que ça te fait vraiment plus comprendre la manière et le concept plus que j'ai trouvé ça super intéressant. Et toi, j'étais tombé sur la vidéo, c'était. Lucas Lepri contre Kenyan Duarte en finale des Europes, tu vois. J'avais trouvé tes explications. En fait, je trouvais que c'est bien parce qu'en France, il n'y avait jamais encore eu ça, ce concept américain où, tu vois, où on est quand même basé sur les statistiques. Parce qu'au final, on peut dire ce qu'on veut, tu vois, mais c'est les victoires et les défaites et c'est ça ce qui compte au final du final. Et que, donc, c'est toujours les statistiques, en fait, qui comptent. Quand tu regardes la NBA, on regarde les joueurs, combien ils prennent de rebonds, combien ils prennent de trucs, combien ils mettent de points. Et je trouvais ça super américain, super propre. Et j'avais de suite adhéré à ta chaîne. J'avais trouvé ça super, super cool. Et votre association, je ne l'ai pas encore vu, la vidéo avec Dany. Mais je pense que c'est un bon truc parce que vous avez un peu la même vision de la manière, de la procédure à faire, tu vois. Et je trouvais que et je suis d'accord avec toi, c'est qu'avant, ça n'existait pas dans le paysage audiovisuel français, tu vois. Je trouvais ça super. C'est vraiment bien ce que vous faites. Franchement, c'est vraiment, vraiment bien. Franchement, c'est... Non, moi, j'adhère à 100%. J'espère que tu en feras beaucoup d'autres. Après, moi, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que tu disais que tu avais un peu calmé le jiu-jitsu brésilien, mais au final, est-ce que faire les vidéos de statistiques comme ça, au final, ça te replonge un peu dedans? Parce que je pense qu'il faut quand même... On voit quand même que ce n'est pas un truc qui est fait au hasard et on sent que... Il y a un gros travail derrière. Tu pèses tes mots et que c'est pas juste à la va-vite que tu... Et je me dis, ça doit prendre du temps, tout ça et tout. Ça doit pas être facile non plus, ça, à gérer quand même. Parce que nous, on voit 10 minutes, mais je pense que c'est un boulot de plusieurs jours, tu vois. Ouais, tout à fait. En fait, le procédé, c'est que je regarde le match... soit je cherche quelque chose de précis. Ici, pour l'instant, je suis occupé de travailler sur une analyse de match de Nicolas Merigali. Et je cherchais un truc précis chez Merigali, en fait. Donc, il y a un sweep que je voulais absolument analyser. Et je voulais trouver le match complet trouver le match dans lequel il faisait ce sweep. Et on voyait vraiment clairement le sweep, en fait. Donc, le procédé, ça va être que je vais regarder plein de ces matchs. Et du coup, ça va me permettre aussi de comprendre un petit peu... tu vois, comment est-ce qu'il combine des fois certaines techniques, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, quand tu regardes un athlète comme Merigali, c'est que les adversaires
dont on voit les matchs sur YouTube, ça va être Leandro Lo, ça va être Herbert Santos, ça va être des gars qui va, il va pas rencontrer une seule fois en fait. Ça va être des gars qui savent déjà le genre de technique qu'il va lancer et tout. Et donc tu vois aussi dans le, les réactions que les gars ont ou la posture que les gars vont adopter, qu'ils se méfient déjà de certaines techniques que lui il a tendance à faire en fait. Donc à force de regarder un peu les deux, tu vois un petit peu vers quoi, enfin tu comprends pas son jeu, mais t'as une vague idée de pourquoi est-ce que les gars réagissent comme ça et pourquoi est-ce que, qu'est-ce que lui il veut faire en fait. Et donc à force de regarder plusieurs fois le même match, tu comprends certains grips qui ont été pris, certaines décisions qui ont été prises, etc. Et donc ça demande vraiment de regarder, ouais, comme je dis, plusieurs fois le match, arrêt sur image, retour, mettre des annotations, regarder les annotations. Je pense que la vidéo avec Lucas Lepri, j'ai dû la tourner 3 fois. Parce que, en fait, il y a une fois, je l'ai tourné complètement et arrivé à la fin du match, je me suis dit merde, je me suis trompé en fait. Tu vois, parce que je me suis rendu compte que ce qu'il faisait en plein milieu du truc, c'était pas ce que je disais en fait. Donc, je reprends le match complet pour essayer vraiment de comprendre quelles sont les grips, etc. Et à ce moment-là, en fait, finalement, tu vois la finalité du truc. Et des fois, tu découvres des trucs intéressants en fait. Donc, par exemple, donc je vais revenir sur la vidéo qu'on a fait avec Dani et sur la vidéo de Lucas Lepri. Petit compliment pour Dani d'ailleurs, parce que je vais comparer les deux. C'est que, en fait, dans la vidéo de Lucas Lepri, tu vois qu'il essaye 4 fois la même technique et qu'à chaque essai, il réajuste un petit peu, en fait. Et dans la vidéo qu'on a fait, Dani et moi, donc l'idée de la vidéo, et ça, c'est un truc que j'aimerais bien refaire avec d'autres athlètes francophones, c'est qu'on a analysé un de ces matchs, on a regardé le match en détail, et en fait, il part sur une technique. Je ne vais pas spoiler pour ceux qui veulent encore regarder la vidéo, allez-y, regardez la vidéo. Franchement, c'est vraiment sympa de le voir expliquer justement ce qu'il fait. Et il y a un moment où justement, il y a son adversaire qui défend super bien la technique qu'il fait, et il y a un autre moment où lui réajuste, et tu vois que la technique justement elle passe, et donc il revient sur la même technique et il réexécute un peu, pas exactement le même game plan, mais il redéroule un petit peu les mêmes techniques, et du coup toi en tant qu'observateur tu vois ce genre de choses là, et ça c'est vraiment intéressant. C'est des trucs que t'as pas forcément l'occasion de voir quand tu regardes juste le match en fait. Tu regardes le match et je pense que tu le disais dans un autre podcast, des fois on a même tendance à avancer un peu le match parce que ben, voilà, il y a 2 mecs qui se tiennent, il se passe pas grand chose et il faut un peu d'action, on passe et des fois on a sauté justement un grip qui était nécessaire pour l'action suivante et du coup on est un peu perdu en fait. Donc le travail que j'essaye de faire c'est vraiment celui-là, c'est d'essayer de permettre justement à ceux qui regardent bah de voir quels sont vraiment les grips intéressants ou les actions ou les contre-attaques qui permettent justement les actions qui vont être déroulées après. Parce que bah oui, c'est comme je disais une clé de lecture pour après essayer de découvrir un peu des techniques ou essayer d'être un peu plus attentif en cours, etc. Quand mon prof explique un truc, du coup je me dis waouh, ouais, ça c'est vraiment intéressant de voir ce grip là parce que effectivement quand il parle là-dessus, bah, c'est un truc que moi j'avais détecté dans un match et que justement j'essaie de reproduire. Est-ce que vite fait, c'est une question par rapport à ça parce que moi tu vois ça c'est un truc que j'ai, le truc que tu fais là sur le travail en fait, moi j'appelle ça vidéo tactique. Mmh. J'ai ça dans mon éducation sportive depuis très longtemps avec le foot, etc. Et tout, tu vois. Donc avec le foot, on faisait déjà beaucoup ça et tout. Et je voulais te demander, parce que des fois, on ratait des séances pour faire des vidéos tactiques et tout. Et moi, à l'époque, tu vois, je sais que ça me prenait la tête, ces trucs. C'est comme malheureusement, quand t'es jeune, tu comprends pas vraiment les trucs qui sont importants. Donc ça me prenait la tête, tu vois. Et puis, tu vois, ça fait quelques années que... J'aurais voulu commencer carrément le comprendre même plus tôt, tu vois, l'importance en fait. Je suis revenu parce que j'ai repensé à l'époque quand j'étais dans un circuit vraiment professionnalisé, tu vois. Donc j'ai repris exemple un peu sur ça. Et je me suis dit mais on faisait quand même ça. Et c'est vrai de faire ce travail-là. C'est même pour quelqu'un qui fait même du loisir et quelqu'un qui fait de la compétition encore plus. C'est quelque chose d'important. De comprendre en fait qu'est-ce qui est en train de se passer. Bon, bref, moi par rapport à ça, je voulais te demander, toi, quand tu t'entraînes pas et que par exemple tu fais ce travail-là, un travail de visualisation, puis d'essayer de comprendre le truc et tout, au final, quand tu reviens en entraînement, est-ce que tu trouves qu'il y a des choses que tu as captées, que tu n'avais peut-être pas captées avant ça justement ? Ouais, tout à fait. Et je me surprends même des fois à faire des trucs entre guillemets que je connais pas en fait. Donc,
je vais me retrouver en fait à faire. Il y a un exercice qu'on fait nous dans notre académie qui est assez sympa, c'est que on fait un format d'échauffement où on est libre de faire la combinaison qu'on veut. Donc on va tirer la garde et en fait on va donc c'est un peu comme du flow roll où le partenaire en fait il va juste réagir et essayer de récupérer son équilibre etc. Mais il est pas genre compétition passage de garde occupé d'essayer de se mâcher et essayer de passer en fait. Et donc typiquement, dans ce genre d'exercice-là, je vais me retrouver à essayer de retrouver les grips que j'ai vus, essayer d'avoir un peu le feeling, en fait, parce que tu l'as vu, tu l'as intégré, mais maintenant, il faut expérimenter un petit peu avec ça. Et donc, je me retrouve à essayer, justement, certaines combinaisons. Et après, du coup, quand c'est vraiment le moment du sparring, je me retrouve instinctivement à faire des trucs sans forcément qu'on m'ait montré la technique. Alors, en réalité, on m'a montré la technique parce que j'ai regardé 20 fois le match, j'ai essayé de comprendre et d'intérioriser, visualiser et tout ça. Donc, c'est un peu comme si on m'avait montré la technique. Mais c'est les quelques étapes, sans forcément qu'il y ait un détail technique, qui font que je vais réussir à faire certaines techniques. Alors, pas toutes, forcément. Sinon, ce serait merveilleux. Mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment un gros plus. Et alors, le plus aussi, c'est que des fois, simplement, je comprends pas ce qui se passe, en fait. Enfin, je comprends pas ce qui se passe. Dans le sens où j'ai pas toutes les infos. Et du coup, je vais chercher des vidéos YouTube où t'as un gars qui va plus ou moins expliquer quelque chose de similaire et dans une position, etc. Et donc, et c'est un peu ce dont on discutait dans la dernière vidéo avec Dany, c'est que à partir du moment où tu fais le lien entre les deux concepts, donc entre deux trois gars qui font un truc en combat et deux trois gars qui t'expliquent une technique qui est plus ou moins similaire, tu commences à comprendre un peu le concept qu'il y a derrière et du coup tu fais un peu le lien. Et après quand tu essaies de remettre ça en place, bah, quand tu essaies de réexécuter ça en sparring, bah, du coup ça a plus de sens en fait. D'accord. Et tout à l'heure tu parlais de YouTube, qu'on a beaucoup plus de contenu qu'à l'époque. Ouais. On est d'accord. Donc le concept fait que dans tout ce contenu, est-ce que c'est pas plus dur de retrouver ce qui sort du lot, justement, ce qui est bien? On se perd pas justement avec tout ce contenu? Je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est vraiment ce qui est bien. En fait, ce qui est bien, là, c'est une définition justement subjective. Moi, j'ai la mienne et j'ai absolument pas envie d'imposer la mienne à qui que ce soit. Et justement, elle dépend un petit peu de chacun, des affinités, du jeu, de la morphologie, de la vitesse, des ambitions en compétition. Est-ce qu'on est plutôt du loisir? Est-ce qu'on a envie de faire du MMA, du no-gi? Enfin, je veux dire, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Et du coup, moi, je reviens toujours avec ça, mais c'est ma clé de lecture, c'est le match, en fait. J'ai commencé à faire ça, donc c'est l'influence d'un de mes partenaires d'entraînement, et j'ai commencé à faire ça, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais une feuille, un grand tableau, et dans lequel je mettais des cases, et je mettais en grand, en haut, Rafael Méndez. Je me regardais les matchs de Rafael Méndez, et je me disais, tiens, voilà, Rafael Méndez, et je mettais, en ligne, par exemple, je mettais les positions, et en colonne, je mettais les gardes, ou alors je mettais en ligne les positions et les gardes, en colonne, je mettais les soumissions, etc. Et en fait, à chaque fois qu'il faisait une technique, je notais la technique. Et donc, tu fais ça, tu répètes les matchs, et puis tu commences à voir un petit peu ce que lui fait, comment est-ce qu'il combine ses techniques et tout. Et après, à ce moment-là, moi, j'allais chercher justement sur YouTube les techniques de Rafael Méndez ou de Guy Méndez ou d'autres gars qui ont un jeu plus ou moins similaire, qui se rapportaient à ce que lui faisait en match, en fait. Et c'est comme ça que j'arrivais. Des fois, tu tombes sur des trucs. Il y a un gars qui est un peu moins connu, justement, parce que je pense qu'il est peut-être champion du monde en violette ou en marron, quelque chose comme ça, qui s'appelle John Thomas BJJ sur YouTube. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le mec, il fait des vidéos qui sont absolument terribles. C'est très conceptuel. Le mec, il rentre super dans le détail. Bon, c'est en anglais, donc forcément, il faut comprendre l'anglais pour comprendre ce qu'il explique et tout. Mais c'est en faisant ce genre de truc que finalement tu te dis, tiens, mais les vidéos de John Thomas, elles reviennent à chaque fois que je fais une recherche sur YouTube. Du coup, je vais m'abonner à ce mec-là, et ce mec-là, en fait, fournit des contenus par rapport aux questions, par rapport aux jeux que moi j'essaye de développer, en fait. Donc c'est un petit peu comme ça que j'en arrivais un peu à faire le tri. Maintenant, c'est ma façon de faire, et ma façon de faire, comme j'expliquais, elle est fort guidée par ce que je vois en match. Évaluer ce qui est bien, maintenant, ça devient vraiment très 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 dur sur YouTube, parce que ce qui est bien, ça peut être ok, ce qui marche en match, ou ce qui a été dit par tel champion du monde, ou ce qui a été dit par John Danaher, ou ce qui a été dit par, je sais pas, moi je dis John Danaher, ça peut être John Danaher, Eddie Bravo, etc., donc les coachs dont on entend tout le temps parler, ce qui a été dit par un tel, ou la vidéo qui a je sais pas combien de likes, ou je sais pas combien de vues, en fait. Donc voilà, moi je...
ça, c'était plutôt ma façon d'aborder les choses. Et je me suis retrouvé des fois à regarder des vidéos avec, je pense, genre 62 vues, quoi. Et il y a même une vidéo, une fois, j'ai commenté le mec en disant, mais je viens de trouver un truc, mais c'est une pépite, ton truc. C'est un mec qui faisait une vidéo, tu sais, mais en plus, je pense que la vidéo, elle date de presque il y a 10 ans. Enfin, j'exagère, mais je pense que ça doit être 7-8 ans. Où le mec il se filme, je sais pas si on pouvait filmer avec un GSM à l'époque, avec un smartphone, et il se filme et tout ça. Et moi, ce qu'il expliquait, c'est pour moi c'est une vraie pépite parce que ça correspondait exactement aux questions que je me posais en fait. D'accord. Et tu fais ça pour toi, t'es compétiteur. Je faisais plus de compétitions avant, mais maintenant je suis plus compétiteur en fait. D'accord. Et ouais. tu comptes pas reprendre un jour ou un autre? J'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien. Ici, en fait, j'ai une blessure que je soigne depuis un peu plus de 8 mois. D'accord. Donc, j'ai un disque écrasé, en fait. Ah. Donc, j'avais repris intensément l'entraînement en espérant pouvoir me remettre à la compétition. J'avais fait quelques compètes en judo parce que je voulais passer un grade de judo et j'avais fait une compète ou deux en JJB. En augmentant le volume d'entraînement, à un moment donné, je me suis vraiment sur une bête technique, en fait, hein. On décupait de démontrer un truc et mon partenaire retombe sur moi. Et là, je ressens vraiment une douleur insupportable dans le dos. J'ai toujours eu des problèmes de dos. Mais là, en fait, j'ai consulté et il s'avère que j'ai un disque écrasé. Donc là, pour l'instant, je soigne ça. Et justement, j'en profite pour faire un peu de muscu, regarder des matchs, etc. Et faire, quand je suis en entraînement, plus du flow roll ou du travail de positionnement. Ça, c'est vrai que c'est un truc sur lequel on peut peut-être revenir, mais un complément à l'analyse de match, c'est le travail. Un bon complément, c'est le travail de positionnement, en fait. D'accord. Donc, c'est que des fois, on va voir. Bon, je prends un exemple extrême, hein, mais l'étranglement croisé de Roger Gracie depuis la position montée. Donc, c'est un truc avec lequel lui, il a un taux de réussite super élevé, anormalement élevé par rapport au reste des ceintures noires, même de haut niveau. Et le mec, il tape des ceintures noires, enfin des mecs, ils enseignent tous les jours cette technique-là, ils savent exactement comment est-ce qu'il faut faire la technique, ils la connaissent par cœur, et le mec, il arrive encore à les taper en 4 minutes sur cette technique-là. Donc à ce moment-là, en fait, quand tu regardes les matchs, tu regardes comment il fait, tu écoutes comment il explique, tu te poses la question, et du coup après, un bon parallèle de ça, c'est d'essayer à l'entraînement de retravailler ça en travail de position, en fait, de se remettre exactement dans la situation et d'essayer d'amener justement l'étranglement en croix et voir pourquoi ça marche pas. Une fois que ça marche pas, on repart au match et on repart aux explications et ainsi de suite, en fait. Mais on est d'accord que ce que tu fais aujourd'hui, tu le ressentirais si tu étais compétiteur. Qu'est-ce que tu veux dire ? Dans le sens où le fait d'analyser tout ça, de te manger ces heures et ces heures de combat, tu réagirais différemment dans une compétition. Ah, je pense, ouais. Oui, tout à fait, je pense. Parce que dans un sens, ça complète ton jeu. Et notamment, la question des statistiques, elle est intéressante à ce niveau-là. C'est que, je vais prendre l'exemple de la dernière vidéo, là, avec le titre qui avait fait un petit peu débat, justement, avec les 500 soumissions les plus efficaces. Parce que c'est vrai que j'avais dit les plus efficaces et pas les plus fréquentes. Ce qui était intéressant là-dedans, c'était, bon, il y a tout un tas de conclusions qui sont pas mal, mais la conclusion intéressante, c'est de voir que il y a 3 soumissions qui font la moitié de toutes les victoires, peu importe la ceinture, en fait. Et donc, ça ne veut pas dire que moi, en tant que compétiteur, je vais m'arrêter à travailler uniquement ces 3 soumissions-là, parce que ce serait idiot. Je vais passer à côté d'opportunités des fois où, justement, en travaillant certaines soumissions précises qui correspondent bien à mon jeu, je vais pouvoir créer des opportunités de passage, des opportunités de renversement, des opportunités même simplement d'autres soumissions. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la clé de bras, toute position confondue, le triangle, toute position confondue, et alors les formes d'étranglement arrière, donc l'étranglement arrière avec le col quand on est en gi, ou l'étranglement arrière à main nue quand on est en no-gi, c'est les soumissions qui reviennent tout le temps. Et donc développer une défense contre ça, ou essayer de se remettre dans la position, en tant que compétiteur, moi je trouve ça intéressant. Et donc des fois, se retrouver avec quelqu'un dans le dos et se dire, ok, là maintenant on est dans la position où je suis en compète, le mec vient de marquer 4 points, il est dans mon dos, il va me soumettre, il faut que je sorte. Sinon, j'ai plus la possibilité de même essayer, entre guillemets, d'égaliser parce que j'aurais perdu le match. Donc, c'est intéressant de savoir ça pour, entre guillemets, un peu se préparer. Maintenant, ça veut pas dire que les statistiques ont dit qu'il y a une chance sur deux qu'il y ait une de ces 3 soumissions-là qui arrive dans le match. Du coup, je ne vais travailler plus que ces soumissions-là, en fait. D'accord. Et il y a une petite question du chat, je vais vous la poser à tous les deux. Je ne sais pas si c'est forcément une question. En fait, c'est YB qui s'appelle « Il voudrait progresser très vite en Jiu-Jitsu. Il aimerait pouvoir
prendre sa ceinture bleue et il a entendu parler d'un stage de 3 mois en Thaïlande à l'ATT pour passer sa bleue. Et il est frustré à cause de plusieurs blessures et il voudrait savoir si c'est un bon... Oui, il voudrait savoir si c'est un, si c'est quelque chose qu'il peut aborder. En gros, si je me trompe pas. Si je me trompe, tu peux me rectifier sur le chat. C'est-à-dire que si c'est valable... Ouais, si ça qu'est-ce que vous pensez, vous deux, des stages accélérés, comme là, on voit stage Thaïlande à l'ATT pour passer ta bleue en 3 mois. Ah, je sais pas. Vas-y, commence si tu veux, Olivier. Parce que... Moi, je suis resté à peu près, je pense, 7 ans en ceinture bleue. Donc, je sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre. Mais je vais... En fait... Moi, j'ai eu la chance de passer ceinture bleue très rapidement. Donc, je suis passé ceinture bleue, je pense, à peu près en un an, là autour, en fait, parce que j'avais déjà pratiqué du judo, du sambo, du jiu-jitsu, etc. Donc, j'ai assez rapidement accroché. Et en plus, je suis devenu dingue de jiu-jitsu, je faisais plus que ça et je pensais plus qu'à ça. Je me déplaçais des fois tout seul en compète, sans coach, etc. Donc, ces choses-là font que ça accélère ta progression. Maintenant... est-ce que un stage intensif va permettre de recevoir une ceinture bleue? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut vraiment se référer au prof d'YB et de voir quels sont ses standards à lui pour décerner une ceinture bleue, en fait. Parce que là, dans l'état actuel des choses, ça me fait un peu penser à cette ceinture bleue que Raynor Grassi et son frère donnaient sur Internet, sur base de vidéos qu'on envoyait et tout ça. Je ne pense pas. La famille a mis le veto, hein, je crois. Ouais, d'ailleurs, ouais. Erickson avait été même intervenu, je pense, etc. Ouais, il a dit stop. Ouais, il y a eu tout un débat là-dessus au départ où tout le monde n'était pas très clair, mais finalement, ils ont tous dit stop. Et eux, je pense que maintenant, c'est un genre de titre honorifique, mais tu dois quand même passer dans leur centre agréé pour passer ton examen. Ce qui pose d'ailleurs un autre problème, c'est que si tu reçois ta ceinture bleue via Internet ou via un stage de 3 mois, c'est qu'à un moment donné, à la fin de ce temps-là, il y a une évaluation des compétences, en fait. Donc, il y a un examen, un peu comme on le verrait en judo, en karaté ou dans plein d'autres arts martiaux, où on va dire, OK, il y a un programme, tu connais le programme, et du coup, sur base de ce programme-là, on juge que tu mérites d'évoluer dans la ceinture. Maintenant, je ne sais pas si ça correspond vraiment à la philosophie du JB et de la plupart des profs de JB, dans le sens où... le JJB, il y a déjà une partie de... le jeu et les techniques qui vont être exécutées vont déjà fortement dépendre des affinités de la personne, de la morphologie. Je pense qu'une fille de 50 kilos ne va pas faire les mêmes techniques qu'un mec de 1m90 et 100 kilos, par exemple. Et donc, évaluer deux personnes, deux athlètes, sur base des mêmes standards, en disant, tiens, voilà, fais avec... ton partenaire, c'est par exemple, je sais pas moi, Régis pèse 80 kilos, t'es une fille de 50 kilos, fais-moi un butterfly sweep, et t'es un mec de 100 kilos, fais-moi un butterfly sweep, ah je suis désolé, t'as pas réussi à faire correctement le sweep, parce que il y a la morphologie, ou il y a tout un tas d'éléments qui ont fait que ton sweep tu l'as raté, et automatiquement tu mérites pas ta ceinture bleue, parce que t'es pas capable de faire ce sweep là. Ça veut pas dire que la personne n'a pas compris les concepts, ça veut pas dire que la personne n'est pas forcément capable de le faire dans une situation de sparring réel, ou dans une situation de compétition, et donc réussir une technique ou réussir tout un programme sur base d'un délai imparti qui est évalué, que je pense qu'il doit être évalué qu'avec un examen, parce que sinon s'il n'y a même pas d'évaluation, je me demande comment est-ce qu'on peut remettre à quelqu'un en 3 mois une ceinture bleue. Je sais pas si ça correspond vraiment à la philosophie du jiu-jitsu brésilien, en fait. Ouais. Et en plus, moi je dirais qu'il y a deux, enfin je vais peut-être me faire des ennemis, mais je pense qu'il y a vraiment deux ceintures importantes, ça serait la bleue et la noire, non? Qu'est-ce que vous en dites? Non? Parce que je pense que si tu passes la bleue, que t'as la violette, t'es quasiment sûr d'arriver à noir, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment un palier, en fait, pour moi, je pense. Attends, vite fait, je vais répondre moi à la question là, bon... Déjà, moi, franchement, ça me fait chelou. Je le dis direct. Ouais, ça fait bizarre. C'est un peu, je sais pas, apprendre à danser en 10 leçons. Je sais pas. Ouais. et tu crois que c'est combien le stage de 3 mois, surtout? Ouais, voilà.
Je sais pas. Et puis, le pro. Mais après, la TT, c'est une équipe quand même sérieuse, tu vois. Donc, je me dis que quand même, ils peuvent pas. Alors, parce qu'au Brésil, comment ça s'appelle, en Thaïlande, je crois qu'il y a. En tout cas, là où j'avais été, je sais plus si c'est à quel mois, mais il y avait un entraîneur, ça va, c'est un Chick Carson, un ancien, c'est un Brésilien, c'est quoi. Il parle. Mais bon, c'est un peu chelou, moi. C'est en fait ce truc de concept de stage, mi-stage, mi-vacances, et au bout, tu deviens ceinture bleue. Je trouve que ça fait pas sérieux, en fait, pour un art martial, tout simplement, quoi. Ouais. C'est une blanche accomplie. Si c'est une blanche accomplie et que tu vois ce que je veux dire. Si c'est une blanche accomplie, son prof il va lui donner la ceinture bleue, tu vois, il a pas besoin. Alors si c'est une blanche accomplie, peut-être au bout de un mois de stage, il peut déjà avoir sa ceinture bleue. Pourquoi attendre les 3 mois par exemple, tu vois ce que je veux dire. Mais ce concept, au bout de 3 mois, c'est comme si je te disais, je sais pas, au bout de 8 mois, obtenez votre ceinture violette avec mes leçons accélérées. Et à un moment, t'as un adversaire face à toi, t'as un mec qui résiste. C'est pas juste, c'est pas des katas, c'est pas du karaté où tu fais des katas et tu répètes des techniques dans le vent. À un moment, t'as une opposition, t'as des gens qui placent leur poids plus ou moins. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Moi, je trouve que franchement, c'est pas sérieux. Franchement, si c'est ça, prends ton argent, va t'entraîner 6 mois dans une grosse académie. Et encore, quand t'es blanche, franchement, jusqu'à que tu sois, moi je dis, je pense, hein, jusqu'à que tu sois bleu confirmé bien comme ça, tu peux rester en France, tout dépend dans quel. En général, en France, partout où tu es maintenant, il y a des bons profs, il y a des bonnes ceintures noires, donc il y a un bon apprentissage. Je pense pas que garde ton argent et fais un voyage après, plus tard, au Brésil ou aux États-Unis, dans une académie sérieuse, où là tu pars, tu t'entraînes matin et soir et. Ou matin, après-midi, comme tu veux, mais et puis t'attends pas. Parce qu'en fait, le concept, c'est pas d'avoir sa ceinture bleue. En fait, pour moi, jiu-jitsu brésilien, ça n'a jamais été d'avoir une ceinture et c'est pas ça, en fait. Bon, là, pour moi, la ceinture, ça évalue juste, en fait, des étapes dans ta carrière martiale, dans ta journée, tu vois, de jiu-jitsu brésilien. C'est pas. Et mettre trop d'importance à ça, tu vois, au final, c'est perdre le vrai concept, en fait, à la base. En fait, quand t'aimes ça, en fait, tu fais ça et puis tu deviens bon parce que t'aimes ça et pourquoi tu deviens bon parce que justement tu t'entraînes, mais en dehors de l'entraînement, t'essaies de comprendre le pourquoi du comment. Donc au final, t'analyses, tu regardes des matchs, tu regardes pas comment, enfin plein de choses qui rentrent en jeu, tu vois. Donc voilà, moi je pense que à un moment les ceintures, c'est pas le. Je comprends hein, pour quand t'es débutant, c'est un truc un peu important, tu vois. Mais il faut essayer de comprendre que c'est pas hyper important en fait. Capte en fait. Moi, ce que je veux lui répondre à lui, c'est que qui capte. S'il s'entraîne plus que tout le monde, ok. Ouais. S'il s'entraîne plus que tout le monde, il aura sa ceinture plus vite que tout le monde. S'il fait pareil que tout le monde, il aura sa ceinture pareil que tout le monde, à peu près. Voilà, c'est à peu près ça en fait. En fait, le concept. Il y a une remarque pertinente de Olivier Smet sur le chat qui dit justement par rapport à son à la fonction de son corps et à son âge, ses aptitudes. Les 3 mois, ça suffira pas pour avoir justement la force dans le corps, la résistance. Tu seras toujours moins résistant et moins souple, moins. Ton corps s'adapte moins que quelqu'un qui a pris justement 1 an et demi, 2 ans ou 3 ans pour prendre sa ceinture bleue, non ? Je sais pas, moi je trouve que c'est pas sérieux. Cette pub, elle est pas sérieuse en fait. Tu devrais dire un stage de 3 mois en Thaïlande, profiter de l'enseignement d'un super prof ou je sais pas quoi, tu vois. Mais promettre une ceinture à la fin de 3 mois de stage à des gens que. Comment ça se passe alors si le mec. Tu te rends compte qu'il n'a pas le niveau à la fin des 3 mois. Tu lui donnes pas la ceinture. Ouais, c'est ça. C'est sûr, ça. Non, mais c'est sûr et certain ou. Non, mais après, tu le rembourses alors, du coup. Ouais, aussi, ça se peut. Aki Semibob, il dit un truc intéressant aussi. Il dit je pense que participer à un stage est bien pour accélérer sa progression, mais il ne faut pas le faire pour passer sa ceinture. Il faut le faire pour progresser dans son jeu, tout simplement. Ouais, mais justement, moi j'allais rebondir sur ce que Samuel disait. Le truc, c'est que ici, je pense que ce qui est important, c'est de voir quelle est l'ambition du gars, en fait. Donc, YB. Pourquoi est-ce qu'il veut avoir sa ceinture bleue aussi rapidement ? Est-ce que c'est parce qu'il a envie de combattre en bleu et de monter justement d'un step ? Et là, je pense que c'est son prof qui sera le plus à même de lui dire en disant « Écoute, là maintenant, tu arrives à un niveau de compétition ou tu arrives à un niveau d'entraînement qui fait que. Est-ce que c'est parce que à partir de ceinture bleue en jiu-jitsu brésilien, c'est comme tu le disais, fois d'une grosse étape et que du coup, on se dit « Voilà, je suis arrivé à ceinture bleue, c'est comme si j'étais ceinture noire de je ne sais pas trop quel autre art martial et que du
coup, c'est une étape qui est passée rapidement. Maintenant, là, ça devient un peu considérer la ceinture en elle-même comme une fin en soi. Donc, ça veut dire que arrivé ceinture noire, on peut aussi se dire, ben voilà, je suis arrivé ceinture noire, maintenant je connais le JJB, je m'arrête et je passe à autre chose. Et c'est un petit peu dommage. Ce qui est important, c'est de voir, d'essayer de s'approprier l'art et d'essayer de passer du temps et d'essayer vraiment de comprendre comment les techniques fonctionnent, comment est-ce qu'on peut les appliquer en sparring, en compétition, en situation de self-défense ou en no-gi, en MMA, selon l'ambition. Et comme tu le disais, Samuel, s'ils s'entraînent plus que les autres, les techniques, elles vont être mieux maîtrisées et il va progresser plus vite que les autres. Et du coup, ça va coïncider avec son, entre guillemets, son plan de carrière. Ce qui est important, c'est le plan de carrière. On a vu des mecs qui sont ceinture bleue cartonnés en MMA. D'un autre côté, on a des gars qui refusent de commencer un combat alors qu'ils veulent être violette, marron, noir avant de commencer le MMA. On a des gens qui veulent rapidement passer en bleu, rapidement passer en violette, rapidement passer en marron, noir, IBJJF parce qu'ils veulent combattre les noirs IBJJF. Je pense qu'il faut voir les ambitions du gars et pourquoi est-ce que spécifiquement il veut avoir sa bleue aussi vite. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que c'est un débat un peu particulier, ça. Ouais. Moi, je dis que jusqu'à la fin de bleu, garde ton pognon et reste en France. En fait. Exactement. Ou à la limite, tu vois, il y a des mêmes trucs. Et franchement, en Europe, là, aux alentours, il y a des trucs super bien et où tu paieras moins cher que... Parce que 3 mois en Thaïlande, tu as quand même le voyage aller-retour. Bon, après, sur place, c'est un peu moins cher, tout ça et tout, mais ça reste quand même... À mon avis, ça doit faire un billet de 4000 balles, on va dire, quand même. Ouais. Entre ta bouffe, toi, et tout. Parce que de 3 mois, ouais, même plus, on va dire 5000 balles, quand même. Parce que si tu payes 3000 balles le stage, tu payes 2000 balles pour toi en dehors, si tu veux faire des activités. Je pense que c'est un billet de 5000 balles. Bah, je suis désolé, pour 5000 balles, que ce soit en Angleterre, chez Roger Grécy et d'autres académies incroyables, ou en Suisse, chez... à Genève, comme ça s'appelle, chez l'entraîneur d'Aik Boulout, Anderson Pereira. Ouais. T'as quand même des super bonnes académies dans le coin, et si tu veux, moi je pense réellement qu'à ton niveau, aller faire un stage pour une ceinture, ça vaut mieux que tu partes pour t'entraîner pendant 3 mois et encore intensif et blanche. Et franchement, je te dis, franchement, blanche, si tu peux avoir des cours pratiquement tous les jours. Entraîne-toi dans ton académie, répète chez toi, fais des trucs et garde ton argent pour un peu plus tard quand tu évolueras dans le jiu-jitsu brésilien. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Ok. Bah, pas plus loin que Paris. Hein. Déjà, s'il prend ses 5000 balles pour louer un Airbnb sur Paris et rester pendant quelques mois sur Paris, il y a moyen de faire le tour des académies. Il y a déjà des grosses académies, que ce soit en MMA, en lutte à livrer, en JB, en grappling. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller. Maintenant, vu le niveau qui commence à se développer en Europe, en ceinture blanche, je ne sais pas si c'est forcément nécessaire de partir aussi loin. Si tu es un pro en MMA et que tu as besoin vraiment de faire du fine-tuning sur ton jeu et que tu veux vraiment les meilleurs des meilleurs des meilleurs, là, c'est peut-être une bonne solution. Il y a des super camps en Thaïlande ou partout dans le monde. Mais en ceinture blanche, à nouveau, je reviens sur les ambitions de carrière. Pourquoi est-ce que... c'est quoi l'objectif? Et est-ce que justement le stage va être utile et est-ce que c'est la ceinture bleue qui va changer quoi que ce soit dans l'objectif de carrière en fait? Ouais, effectivement. Et on va faire la transition. Moi, dès que le podcast finit, là, je vais aller me coucher pour mettre mon réveil à 2h du matin parce qu'il y a l'UFC ce soir. Donc je ne sais pas si tu suis un peu le MMA vu que tu as fait 2 combats de MMA en tant qu'amateur, tu m'as dit. Un tout petit peu. Ouais, ici, j'ai regardé justement le 249, je pense, c'est passé ici. J'ai regardé quelques matchs. Ouais, qu'est-ce que t'en as dit? J'ai envie de dire que Tony Ferguson, c'est vraiment un guerrier. Chaud. Franchement, chapeau. Deux way cut, hein, d'affilée. Ah ouais, ouais. En plus. Ouais. Parce que, enfin, quand je vois ce qu'il a pris, et je connaissais le résultat du match avant de regarder le match. D'accord. Et je m'attendais à une victoire. Alors attention, Justin Gaethje, pour moi, c'est Rocky Balboa. Le mec, il a un menton d'acier et il recule pas et il casse tout et il a des points. Il a de la pierre dans les gants, c'est pas possible, quoi. Franchement. Tu ne comprends pas courir sous la neige avec un tronc d'arbre sur le. Sur franchement, ouais. Vous avez vu son doigt à la fin? Non. Il avait une belle ouverture. Je crois qu'il avait le doigt cassé plus ouvert, tu vois.
Genre, il s'est fait. Il faisait l'interview de Joe Rogan et puis il regardait son doigt et à un moment il l'a ouvert et ça faisait une ouverture énorme, incroyable. Donc, avec l'adrénaline, tu sens pas tout ça. Ouais. C'est un truc de fou. Hein. Et donc, techniquement, ouais, il a été au-dessus. Hein. Y a rien à dire. Hein. Ah ouais, à un moment donné, tu vois qu'il y a l'enchaînement quand même des coups. Hein. Ferguson, vraiment à la toute fin, tu vois qu'il a du mal à tenir sur ses jambes et tout. Et que. J'ai même pas vraiment l'impression que c'est vraiment le cardio, j'ai vraiment plus l'impression que c'est les coups qui à un moment donné font que le mec il suit plus et il reste debout quoi. Ouais. Donc ça m'a super impressionné. T'as entendu son interview les coups, hein. les coups, ça fait baisser le cardio. Attention, les coups ça fait baisser le cardio. Hein. Ouais. Mais les si coups, ça fait. Si t'écoutes l'interview de Ferguson à la fin. Il dit, je me suis préparé pour un lutteur, alors qu'en face de moi j'avais un striker. Il a pas pu aller gérer, parce que lui son délire ça serait d'aller au sol et de gérer le sol, tu vois. Mais il a même pas pu. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas vu tous les matchs de Gaethje et j'ai regardé certains highlights ou certains résumés de matchs, etc. Ouais. Mais ces derniers temps, tu vois vraiment beaucoup striker. Ouais. Donc en étudiant les derniers matchs de Gaethje, je ne vais pas dire qu'il aurait dû le savoir, mais c'est un mec avec une lutte de classe internationale, ça c'est clair. Et du coup, il a confiance dans son striking. Mais le mec, il avance et il frappe, quoi. Donc, ouais. Et il est plus calculé que d'habitude là, sur ce coup-là, ouais. Sur ce match en particulier. Il s'est moins exposé. Ouais. D'habitude, il s'expose. Par exemple, quand tu vois quand il a mis le KO à le grand maigre, là, comment il s'appelle déjà, Vic, non? C'est ça, Vic, je crois. James Vic. Ouais, je crois que c'est ça. Il lui met un gros overhand, et pour aller le chercher, ce overhand, il s'est exposé, tu vois. Si Vic, il avait placé le crochet juste avant le overhand, c'était fini, tu vois. Et souvent, c'est ce qu'il fait. Il s'expose pour aller rentrer un KO, tu vois, pour aller rentrer un gros coup. Et sur ce coup-là, il s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins exposé pour justement... Et puis ça a marché, hein, on a vu le résultat, hein, tout simplement. Donc, je vais faire l'enchaînement. Ce soir, il y a un match, c'est Anthony Smith contre Glover Teixeira. Est-ce que tu connais déjà? Je me souviens de Glover Teixeira, mais Anthony Smith... Il vient de se battre contre John Jones. Il a perdu contre John Jones au point. Donc il a passé 5 rounds dans la cage avec Jones. C'était la galère pour lui, mais il les a fait, il l'a fini, il s'est pas fait mettre dehors. Attends, je me demande si j'ai pas vu ce match-là. Il est rasé, il a la tête rasée. J'ai un Robbie Lawler, mon costaud en grand. Ouais, tout à fait. Tatoué. Il est pas mauvais. Ah non, je pense que j'ai vu le précédent. Moi, j'ai vu celui avec. Il est pas mauvais, mais avec John Jones, on a. Mais il est favori. Il sera jamais champion de lui. Ouais, mais il est favori. Ah, Glover Teixeira, il prend de l'âge, s'il a une très bonne boxe, très bonne lutte. De toutes les manières, favori, ça reste Anthony Smith, ouais. Donc, tu dirais quoi, toi, des deux? Si le mec a tenu pendant 5 rounds avec John Jones, je dirais Anthony Smith, ouais, très clairement. Maintenant, je ne connais pas assez pour juger. J'ai jamais vu un de ces matchs, donc là, je peux. J'ai pas envie de m'avancer. C'est juste un feeling sur base des records de Jones plutôt que réellement par rapport à ce qu'Anthony Smith a fait. Ouais. Mais après, ça se peut que Glover fasse quelque chose. Hein. Il peut surprendre. Hein. Il a déjà surpris plusieurs fois dans ses combats. Et souvent, il est pris comme l'underdog, tu vois. Mm. Après, c'est vrai que son âge fait que il est beaucoup plus jeune, Anthony Smith, que Glover Teixeira. Donc, quand t'es plus jeune, forcément, t'as plus de fougue, t'as plus de dynamisme. Ouais, tout le monde dit Anthony Smith. Donc tu dis pareil. Et c'est plutôt un striker ou c'est plutôt Anthony Smith, c'est un striker, ouais. C'est un striker qui est très très bon en jiu-jitsu brésilien. Il est ceinture noire, il me semble. Ouais, il est ceinture noire. Mm. Et ouais, il est doué hein, quand même. Hein. Même si s'il a perdu contre Jones, il me semble qu'il avait battu Rashad Evans. On voit là sa dernière victoire, c'était contre Gustafsson par soumission. Ah ouais. Et juste avant Jones, c'était contre Ousdemir, Volkan Ousdemir, et il a gagné par soumission au troisième round. Donc il finit ses matchs aussi. Ouais. Ouais, donc je dirais, si je devais parier, je parierais sur lui. Smith. Sam. C'est ce soir, hein, donc on va savoir ça demain. Ouais, je pense Smith. Hein. Ouais. Je pense Smith.
Ouais, je pense. Je pense. Ok, bah, Large. je vais faire le gars qui Alors. contredit, je dis Teixeira. Même si, Il faut. pour créer de l'engouement. Et du coup, il y en a un autre pas longtemps aussi. Bah, d'ailleurs, on va continuer à parler MMA. Toi, ça t'intéresserait pas. Je sais que tu as ta blessure, mais si jamais ta blessure se rétablit, ce que je te souhaite, est-ce que ça te tendrait de repartir dans le circuit MMA? Non. Non? Non, je suis. Maintenant, ce qui m'intéresse, donc une fois que je suis remis, j'aimerais bien me remettre à faire de la compétition et plutôt en nogi. D'accord. Donc c'est pas si éloigné que ça du MMA, même si c'est complètement différent. Ouais, ma priorité, ce serait plutôt ça. Mais en fait, le truc, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, même si il y a une base commune et que le jiu-jitsu, entre guillemets, historiquement, est à l'origine du Vale Tudo et de la création du MMA, etc. Maintenant, ce sont des sports qui sont tellement différents et il y a tellement de choses que maintenant on peut travailler rien que sur le jiu-jitsu-gi, rien que sur le grappling ou rien que sur le MMA, que à partir du moment où tu fais un petit peu tout et n'importe quoi, je sais plus qui est-ce qui disait, mais tu es un peu un canard en fait. Donc un canard, ça nage pas correctement, ça nage, ça vole et ça court, mais ça court pas correctement, ça nage pas correctement et ça vole pas comme un aigle, comme un requin ou comme un guépard en fait. Et du coup, je me dis, moi je préférerais me focaliser sur un truc plutôt que de repartir vers le MMA. Même si le MMA, je regarde ça maintenant entre guillemets par Aller par passion, quoi. Tu vois, quand il y a une belle affiche et tout. Ici, justement, on parlait de John Jones. Le dernier match que j'ai vu de John Jones, c'était Dominique Reyes. Bah, là, il y avait une belle affiche. J'ai regardé le countdown. Je me dis, tiens, je connaissais pas encore trop Reyes parce qu'il est arrivé Une flèche. comme une flèche et tout. Je me Ouais. dis, tiens, le mec, est-ce que c'est enfin le mec qui va nous descendre John Jones? Donc, je suis curieux, tu vois. Et du coup, je vais regarder le match, je vais regarder l'événement complet et tout. Mais moi, me relancer là-dedans, non, beaucoup moins. Et puis, maintenant, moi, donc, j'ai 37 ans. Ouais. Je vais sur mes 38. J'ai moins des ambitions de compétition comme on pourrait l'avoir quand on est plus jeune homme, tu vois. Ouais. Dans le sens où maintenant, moi, ce que je veux, c'est entre guillemets me faire mon kiff, me dire tiens, voilà, j'ai analysé des tonnes de vidéos, j'ai essayé telle technique et tout ça. Maintenant, est-ce que ces techniques-là, elles marchent pour de vrai ou pas? Parce que je suis pas quelqu'un qui dit dans mon discours, et parce que je suis pas un mec qui fait de la compétition tous les week-ends, à dire que la compétition, c'est la règle absolue, etc. Maintenant, je pars du principe que tu sais si ta technique, elle fonctionne vraiment, si tu la fais contre quelqu'un qui connaît pas ta technique et qui résiste à fond, en fait. Pas contre un de tes partenaires d'entraînement qui se dit, ouais, Oli, je le connais, il aime bien partir sur le sweep single, il aime bien partir, par exemple, sur tel truc en spider, il aime bien partir sur la single leg X, etc. Donc, automatiquement, tu as des partenaires d'entraînement qui vont s'adapter, t'en as certains qui sont plus lourds, qui vont se laisser tomber, par exemple, sur toi, t'en as certains qui sont plus rapides et qui vont se dire, ouais, dès qu'il va partir sur tel truc, je vais enchaîner directement et tout. Alors qu'en compétition, à moins que tu sois dans le circuit depuis très longtemps et que tout le monde te connaisse, en compétition, les mecs ne te connaissent pas. Et du coup, c'est l'opportunité pour toi pour réellement tester si tes techniques, elles fonctionnent ou pas. Et donc là, moi maintenant, la compétition, c'est vraiment cet objectif-là. C'est de me dire, tiens, voilà, ça fait quelques mois que j'ai plus fait de compète. Là, il faut que je teste mon jiu-jitsu. Je vais me faire une compétition, je vais me faire mon kiff. Et j'y vais, quoi, tu vois. Donc très clairement, me remettre dans la compétition de MMA. Ça m'a déjà traversé l'esprit parce que j'ai fait un peu de kick avant, j'ai fait comme je t'ai dit, des combats amateurs, j'ai fait un peu de compète en grappling, en sambo, etc., etc., etc. Donc ça m'a traversé l'esprit. Mais honnêtement, quand tu vois le degré de précision maintenant qu'il faut au niveau de l'entraînement, il faut s'y consacrer à fond en fait. Et faire un petit peu de tout en même temps. Voilà, moi personnellement, je suis pas comme ça. Moi, si je veux faire un truc, il faut que je le fasse à fond, il faut que je le fasse correctement pour essayer vraiment d'arriver à un résultat. Ok, j'ai une petite question du chat. Ouais, je ne sais pas si elle est pertinente parce que on n'est plus en confinement là. C'est Olivier Smet qui demande bonne ou mauvaise place pour parler de la prépa physique en confinement pour nous les combattants. Que faire pour garder les acquis et ne pas laisser les poumons sur le tatami à la reprise? Alors, en Belgique, on est toujours en confinement. Ah, alors c'est pour ça. C'est parce qu'en Ouais, c'est France, pour ça. on n'est plus en confinement, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'activité sportive. Donc. Ouais. C'est vrai que c'est une question pertinente à la fin. Donc excuse-moi, monsieur Olivier Smet. Donc ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder pour laisser un pour pas laisser un poumon sur le tatami à la reprise? Samuel, toi qui es très porté sur justement les drills et la préparation physique et tout ça, je peux te laisser répondre.
Ouais, bah écoute, moi sur alors, moi c'est je vais expliquer comment s'est passé mon confinement. Je suis parti un peu à la campagne, tout ça et tout, donc comme ça va un peu tous, puisqu'ils nous ont suivis pendant ces confinements. On a fait un truc par soir, donc tous les soirs. Donc bref, j'étais à la campagne et alors je vais vous dire que jusqu'au 40, ça allait. On est resté combien de jours en confinement? 55? Ouais, après, C'est ça à peu près? à peu près, ouais. Ouais. Bah, sur 55, j'ai fait à peu près 45 jours où je drillais minimum 1 heure et demie par jour et je faisais 3 fois de la prépa physique par semaine. 100 jours de repos. Et j'ai pris 2 jours de repos sur les 45. Ouais, j'ai dû faire. Je pense que j'ai fait 45 jours d'entraînement sur 55. La dernière semaine-là, les derniers 10 jours, j'en avais ras-le-bol. Parce que c'est comme tout aussi, tu vois, à un moment, tout le monde veut quelque chose, tout le monde veut, par exemple, être musclé, sec, par exemple, ou il y en a, ils veulent, par exemple, ils veulent réussir dans ça et tout, mais en fait, il y a pas beaucoup de gens qui font ce qu'il faut pour réussir, en fait, ce qu'ils veulent, tu vois. Donc, Mais en vrai, justement, Sam. Pour pas perdre vite fait le truc, pour pas cracher tes poumons, ben en fait c'est pendant ces 2 mois d'entraînement de confinement, ben là où on a passé peut-être des moments à rien faire, ben tu pouvais t'entraîner et répéter, que ce soit des drills, que ce soit, je veux dire, tu sais, 10 minutes de burpee, ça vaut autant qu'un jogging de 45 minutes à allure. En fait, tu vois, c'est juste ça. En fait, c'est essayer de faire chaque jour un minimum, quoi. Un minimum. Parce qu'après, c'est sûr que n'importe qui, même moi qui est compétiteur et sportif depuis des années et tout, si j'arrête pendant 2 mois le sport et que 2 mois après je reprends, ben, je vais cracher mes poumons, en fait, tout simplement, tu vois. C'est un peu trop tard, en fait. Ouais, C'est déjà trop tard, en ce fait. que je voulais te dire, Sam, c'était le mot préparation, comment, préparation sportive, c'est ça? Non. Non, que c'était quoi le mot? Oui. Ouais, C'est préparation prépa physique. physique. Préparation Ouais, physique, c'est préparation ça. physique. Donc en fait, préparation physique, on est d'accord, c'est différent que de faire du sport. Faire du sport, tu transpires pas à donf. Préparation physique, tu dois transpirer Non, à donf, par c'est exemple, ça? par exemple, le CrossFit, tu fais de la. C'est du sport à fond. Tu vois, la prépa physique, c'est pas obligé que tu transpires à fond. C'est pas, en fait, la prépa physique, ça dépend de ce que tu travailles par rapport à la période dans laquelle tu es, et tu travailles différemment ou Mais tu travailles certaines parts. c'est pas se donner plus que normalement. Non, moi, c'est pas quand je te dis je fais 3 fois de la prépa physique par semaine, c'est ça? Ouais. Non, quand je fais 3 fois de la prépa physique par semaine, c'est-à-dire que j'ai un préparateur physique qui est Kostia Tchalakov, D'accord. et 3 fois par semaine, j'ai un programme à faire. Alors ça peut être. Alors c'est pas de la muscu forcément conventionnelle, mais c'est un truc de 45 minutes et tu as un peu tous les trucs qui sont abordés, tu vois, parce que Comme un nous on a un circuit. sport qui. Ouais, c'est pas forcément un circuit, ça peut être. Après, préparateur physique, tu vois, c'est un métier en même temps, tu vois. Donc c'est dur pour moi de. Ouais. Même si j'en fais depuis que j'ai 13 ans que je suis parti au centre, mais c'est quand même un métier, tu vois. Donc la préparation physique, ça englobe tellement de choses, faut être que c'est dur pour autant parler. Par exemple, tu vois, des fois, on va travailler un peu de la résistance. En même temps, il faut que tu travailles de la force, mais en même temps, il faut que tu travailles le cardio. En même temps, il faut que tu travailles la force explosive, la force. Tu vois, il y a plein Il de y a une trucs qui se symétrie des travaillent muscles. Il y a une symétrie des sur différents. muscles aussi, non? Non, là, non, bah, c'est justement ça. Parce qu'après, toi, tu comprends avec le bodybuilding, enfin, ce qu'ils font les gens normaux, ou la musculation Ouais. normale, où en fait, là, c'est fait. Alors. Tu prends de la force aussi, hein, faut pas raconter des conneries non plus, hein, Ouais. tu prends de la force aussi, tu prends un truc et tout, mais c'est fait. Eux, dans le bodybuilding, c'est recherche et enfin, que les muscles soient beaux et que ça soit d'un côté comme de l'autre, ça soit parfait. Bon, bref, ils recherchent la beauté en Ok. préparation Ouais, physique, c'est pas le pareil. combat. Non, tu recherches La performance. à devenir plus performant dans ton sport. Et ça, c'est ça aussi qu'il faut faire attention, c'est que des fois, quand tu deviens pas. Voyons, quand je fais du kettlebell, c'est pas pour devenir champion du monde de kettlebell, c'est pour t'aider dans ton sport, tu vois. Tout à fait, ouais. Donc Carrément. voilà, c'est ça. Ouais, Mais j'avais bon, une ça petite question pour c'est. Olivier encore. Je vois que tu as un t-shirt, un sweat DC Shoes. T'as fait du skate?
Ouais. Bien, moi aussi. T'en as fait combien de temps? Ah, j'ai fait ça pendant 3-4 ans, je pense, quand j'étais adolescent. En fait, je faisais du judo petit. D'accord. Et je me suis arrêté pour faire du skateboard. Et puis après, j'ai repris les arts martiaux quand j'ai Alors, arrêté le judo. je vais te poser une question par rapport à ça. Est-ce que tu crois que le skate, ça t'a aidé dans le jiu-jitsu? Moi, j'ai envie de te dire oui, dans l'aspect proprioception, en fait. Donc, dans ta conscience du corps dans l'espace et dans, c'est ça. Tu vois, l'équilibre. Voilà, c'est ça. Il y a un gars qui avait dit une fois, je pense que j'avais regardé c'était les X Games sur Eurosport ou un truc comme ça. Et alors, il y avait un gars qui avait comparé le skateboard avec le karaté moderne. Il avait dit, en fait, les jeunes, quand ils commencent le skateboard super tôt, ils développent une conscience de leur corps dans l'espace que normalement les arts martiaux t'enseignent, en fait, parce que tu fais des trucs en pensant, tu vois, sans forcément regarder où se trouve la planche. Tu fais des trucs en essayant d'avoir conscience de comment est-ce que toi tu dois être par rapport au moment où la planche. Il y a aussi une grosse notion du timing, ouais. Qui est aussi très importante en jiu-jitsu. En fait, les mouvements aussi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Pour moi, le jiu-jitsu, c'est un peu comme faire du skateboard, mais où le skateboard, il n'a pas envie que tu lui retombes dessus, en fait. Grave. Non, mais je te rejoins tout à fait là-dessus. Hein, parce que moi, clairement, j'en ai fait 5 ans et je me suis mis au jiu-jitsu un peu après. Et effectivement, rien que déjà les jambes, tu vois, t'es musclé des jambes, parce que quand tu fais du skate, forcément, ça te fait travailler les jambes. Et du coup, bah ouais, ça, c'est clair que ça m'a aidé aussi, quoi. Entre autres de ce que t'as dit, la musculature, parce qu'en plus j'étais assez lourd, moi, tu vois, je faisais 120 kilos presque, hein, à l'époque. Et quand tu fais du skate et que tu fais 120 kilos, faut y aller. Ouais, ouais, tout à fait. J'avais un pote comme ça qui était très très lourd et qui faisait des kickflips au-dessus de poubelles et tout ça, et tout le monde se disait, mais par quelle magie est-ce que déjà lui il arrive à sauter au-dessus de la poubelle et il faisait un kickflip au-dessus. Ouais, on défie la loi de la gravité. Voilà. C'est ouais, du coup, t'as bien maigri, là, en fait. Tu faisais 120 kilos, tu dis t'as... Ouais, 127 exactement. Je suis monté jusqu'à 127 et je suis redescendu. Là, je dois être à 100. J'étais déjà descendu à 90 quand j'étais en forme, quand j'étais chez Sam. J'étais bien à cette époque, Sam. Putain, tu me manques. Ah ouais. Moi, c'est l'ouverture du Burger King. C'est ça, je te dis. Ça m'a tué. J'ai envoyé des lettres pour qu'il ferme. Putain, mais... c'est ça qui. Ah, faut que je m'y remette. Putain. Faut que je m'y remette. Là, hier, on a eu, ou avant-hier, je crois, on a eu Sako qui m'a dit, ouais, je cours 4 fois par semaine. Putain, je me sentais comme une merde. Je me dis, putain, comment ça, je cours plus et tout. Faut que je me remette à courir. Au moins pour reprendre la forme, tu vois. Et après, quand Mathieu Fischer, je retournerai au jiu-jitsu pour essayer de rattraper ma violette. Hein. J'espère. Ouais. De tout cas. Ah, c'est une belle étape, la violette. Hein. Ouais, j'y crois. C'est dur le skate là. Moi j'ai essayé cette connerie là. Putain, mais moi je suis trop nul dans les trucs comme ça. Ah bah, dis-toi que avant de pouvoir ça, en faire. Le surf, les trucs comme ça, l'équilibre. C'est super dur. Hein. Ah ouais, je comprends que les mecs qui viennent de là. Comme à l'époque, je sais plus, je crois que c'était aussi chez Aziz, chez Reggie. Chez Aziz. Il y avait des mecs qui faisaient du breakdance, tu vois. Ouais, j'allais venir. Ouais, et frère, ils faisaient du jiu, tu vois. Tu sais, pour les renverser, eux, tu sais, ils posaient sur un bras et le mec, il a l'habitude de sur un bras, il est comme dans le canapé. Carrément. L'équipe d'Eddie Bravo, c'est comme ça aussi, hein. Ouais, c'est tous des breakdancers, quasiment. Tout à fait. Même Tony Ferguson, il me semble, hein, que c'est un breakdancer à la base. Ouais, je pense bien. Ouais. Tu le vois à ses vidéos d'entraînement, d'ailleurs. Hein, quand tu vois ce qu'il fait à l'entraînement, c'est complètement ouf, le mec. Ouais. Mais en plus, pour revenir au skate, tu tombes tout le temps. Ouais. Tout le temps. Tu te fais mal tout le temps. Donc, apprendre à être dur, le skate, c'est le top, tu vois. Parce que, en plus, tu tombes sur le sol. Le sol, c'est dur, quoi. C'est pas un tatami, tu vois. Tu saignes, tu te fais des œufs, les tibias, ils sont comme un boxeur thaï, les tibias. Et quand les gens ils voient tes tibias, tu fais de la boxe. Ouais, moi je suis boxe thaï. Non, c'était une bonne époque, de bons souvenirs. Je pense que toi aussi, hein, de manière, tous les skateurs. Non, mais justement, tu parles de la boxe thaï. Moi, la première fois que j'ai checké un low kick, je me suis dit, mais ça fait pas mal en fait. Pourquoi est-ce qu'ils me parlent tous de ce truc comme si c'était horrible? Moi, je me suis déjà pris ma planche, mais plein de fois, j'ai checké, j'ai fait ah. Et les planches de bois, nous en bois là, les tranches, quand tu tapes les tranches, que tu fais des. Ça fait. Tu t'assois à un moment, tu fais bon, on va faire une pause là. Ah ouais, tout à fait. Moi, je trouve que le pire en skateboard, c'était le caillou.
tu vois, le petit caillou que tu voyais pas, parce que moi j'adorais le street, et du coup le petit caillou que tu voyais pas et qui arrêtait net ta planche, mais tu vois la physique veut que si ta planche elle s'arrête net, toi tu continues droit devant à la vitesse de la planche en fait, ouais, et ouais, tu te prends une gamelle, c'est... Voilà. Chez nous sur j'étais sur la croisette, c'était les pépins pépins de palmier ou les pépins de les pommes de pin, quoi, les trucs comme ça c'est pareil. Et voilà, bah, pour en revenir un peu au jiu-jitsu et ta chaîne, quels sont tes projets et comment tu voudrais voir évoluer ta chaîne? Ouais, alors mon projet à court terme ici, c'est vraiment d'essayer de trouver un bon rythme pour pouvoir continuer après le confinement, parce que comme j'expliquais ici en Belgique, on rentre seulement en phase 1 de déconfinement, donc ça veut dire que certains sports peuvent commencer à être... certains sports, on peut commencer à pratiquer certains sports en plein air si on est seulement trois partenaires et que ce soit absolument les deux mêmes partenaires qu'on rencontre à chaque fois et qu'il y a une distance de sécurité, etc. Donc bref, pas de jujitsu, ça c'est clair et net. Donc on ne sait pas encore trop exactement à quelle sauce on va être mangé pour tout ce qui est jujitsu, lutte, etc. Tous les sports que j'affectionne particulièrement et que je pratique justement, donc c'est un peu frustrant. Et donc ici, l'idée c'est d'essayer de trouver un maximum de trouver vraiment la routine en fait, vraiment trouver les bons moyens de faire des vidéos avec la meilleure qualité possible, le plus rapidement possible, de façon à ce qu'après le confinement, je puisse continuer. Parce que je pense que ce qui est important sur YouTube, c'est d'essayer de garder une certaine régularité et d'essayer aussi de garder une certaine homogénéité des contenus. Donc essayer de garder, ici je suis sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos d'analyse et tout ça, donc je vais essayer de rester sur ma chaîne sur ce truc-là. J'avais pensé faire d'autres choses, mais sur ma chaîne, je pense que je vais rester là-dessus. Éventuellement partir à un moment donné vers peut-être des vlogs, mais ça devra absolument rester en rapport avec la compétition etc. L'autre truc que j'aimerais bien vraiment faire, et ça c'est mon projet ici à court terme, même pendant ce confinement, c'est d'essayer justement d'aller solliciter des athlètes francophones qui voudraient qu'on analyse des matchs ensemble en fait. Donc vraiment essayer de mettre en avant certains athlètes et les interviewer différemment, voir un petit peu leur point de vue comme j'expliquais tout à l'heure, voir leur point de vue pendant le match plutôt que leur poser les questions un peu usuelles qui sont qui t'a donné ta ceinture noire, qu'est-ce que tu fais dans ton club, tu vois ce genre de truc qu'on a l'habitude d'entendre et les questions auxquelles tout le monde a un peu répondu. Moi, ce que je pense qui est intéressant, que ce soit pour les compétiteurs ou pour les loisirs, et ça, c'est un truc qui est important pour moi au niveau de la chaîne, c'est que je crois beaucoup dans le développement du jiu-jitsu à moyen terme. Et je suis persuadé que ça va encore évoluer. On est déjà vraiment très très bien par rapport à il y a une dizaine d'années. Franchement, ça a vraiment beaucoup évolué et tout, et c'est vraiment chouette. Mais je pense que ça va encore se développer, et ça peut encore se développer. Maintenant, pour ça, il y a certaines choses qui... Je ne vais pas dire qu'ils doivent changer, mais... certaines personnes doivent essayer de produire du contenu, un peu comme vous le faites déjà en fait, donc pour essayer de fournir du contenu pour des gens qui ne sont pas forcément uniquement des pratiquants. Parce que ici, en fait, le jiu-jitsu, on va se retrouver avec un plafond, dans le sens où quand on regarde les gens qui viennent voir les compètes, que ce soit les compètes régionales ou internationales, quand on regarde les gens qui discutent les compètes, qui vont au séminaire, enfin le séminaire c'est logique, je veux dire quand on parle vraiment de l'aspect purement compétition et sportif, c'est essentiellement des pratiquants en fait. Et quand on a des gens qui discutent les techniques ou qui discutent la qualité d'un compétiteur ou pas, ce sont à nouveau essentiellement des pratiquants. On a rarement... Je vais revenir avec Ferguson contre Gaethje. Ce match-là, on peut le montrer à n'importe qui connaît pas le MMA, ils vont comprendre que les mecs sont occupés de s'envoyer des grosses mandales et qu'il y en a un qui finalement à un moment donné se fait arrêter par l'arbitre parce qu'il est complètement défoncé. Donc ils vont comprendre ce qui se passe en fait. Et au niveau du jiu-jitsu, on n'est pas encore là. On n'est pas encore arrivé à un stade où les gens vont pouvoir comprendre le jiu-jitsu juste en le regardant ou essayer de le découvrir. Je pense que d'un côté, il y a une forme de contenu qu'il faut fournir pour éventuellement justement des gens qui sont tout débutants, qui veulent comprendre un petit peu comment ça se passe au niveau des matchs, quelles sont les règles de compétition. Vincent Nguyen a fait une vidéo récemment où il expliquait les règles IBJJF, vraiment les règles de base super rapidement, je pense en 10-15 minutes, mais c'était super intéressant. Et c'est intéressant pour justement le gars qui veut débuter la compète, qui va peut-être faire une compète, qui va plus jamais faire de compète après, et qui du coup finalement s'intéresse moins à l'aspect compétition, il est totalement dans le loisir, et il comprend pas forcément les mécaniques précises des matchs. Donc je pense qu'il faut vraiment du contenu généralisé,
ou du contenu de vulgarisation pour que les gens puissent regarder un peu plus de matchs. Parce que je pense que c'est en regardant plus de matchs, plus on aura des gens qui sont moins experts, qui vont regarder des matchs, plus le sport va se développer, en fait. Et je ne sais pas si on arrivera un jour à ce que monsieur tout le monde regarde un match de jiu-jitsu, mais je pense que s'il y a de plus en plus de gens qui regardent des matchs, de toute façon, ce sera bon pour le sport. Pour l'instant, le regarder des matchs, c'est fort réservé à une, entre guillemets, une élite. Ouais. Et ce que j'essaye de, vraiment de faire avec ma chaîne, c'est d'un côté, mettre en avant les athlètes que les gens connaissent pas encore et pourquoi est-ce que les athlètes choisissent ces techniques et tout l'aspect qu'on a un peu discuté avant, et aussi essayer de faire que ben, le jiu-jitsu soit un peu plus compréhensible pour les gens qui sont plus dans une optique loisir, parce qu'à nouveau je pense que s'il y a plus d'audience, ça va développer notre sport, en fait. C'est vrai, c'est vrai, mais t'es sur la bonne voie, hein. Moi je te vois vraiment en tant que pilier dans le futur dans le média, en fait, tu vois ce que je veux dire, vraiment pour ramener le jiu-jitsu vers la masse, vers les gens qui connaissent pas forcément. Et justement, tu vois, le fait que tu partes dans ce sens, ça peut que être bon. Et franchement, moi je te soutiens à fond, à 100%. Ah, ça me touche beaucoup, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Mais en plus, j'aimerais bien, je t'ai pas posé la question tout à l'heure, mais j'aimerais bien que tu fasses ça, enfin après c'est si t'as le temps et si tu peux, hein, mais j'aimerais bien que tu fasses ça pour le MMA. Moi, ça me plairait, tu vois, quelqu'un qui fasse ça, qui étudie les soumissions et tout. Bon, ils ont déjà, dans l'UFC, ils ont déjà des statistiques et tout, tu vois. Il y a déjà le travail qui est un peu mâché, mais faire un résumé de tout ça, justement, et je suis sûr que ça intéresserait plein de gens aussi, tu vois. Ouais, j'ai une vidéo prévue dans la liste des vidéos, en fait. Donc ici, j'avais fait la vidéo avec les 500 matchs là, et les soumissions les plus fréquentes. D'accord, ouais. Et en fait, dans un des commentaires, il y a quelqu'un qui suggérait que est-ce que les soumissions en grappling, donc là on va exclure le gi, est-ce que les soumissions en grappling sont si différentes que ça des soumissions qu'on voit en MMA? Et en fait, je vais pas spoiler parce que justement je voudrais faire la vidéo là-dessus, etc. Mais il y a des différences et je voudrais aborder un petit peu les différences et tout. Et ouais, c'est effectivement un sujet qui m'intéresse. Maintenant, comme je le disais, par rapport simplement même à ma pratique à moi, donc est-ce que moi j'ai envie de me relancer un jour dans la pratique du MMA? Ben, je vais pas le faire parce que j'ai vraiment envie de me focaliser sur un truc et essayer de vraiment développer la meilleure connaissance dans un sujet bien précis. C'est un peu la même chose au niveau de ce qui est du commentaire par rapport au MMA. J'ai pas envie de m'aventurer. J'ai beaucoup regardé de matchs de MMA avant. Comme je disais, j'ai fait du pied-point. Je me suis essayé un peu. Tu connais, MMA. Tu connais bien. Ouais, je connais, voilà. Mais de là à dire que justement, je vais me positionner comme analyste sur ce truc-là. Je pense qu'on ne peut pas être expert en tout. Ouais. Et je pense aussi qu'il y a des gens comme vous deux qui faites déjà ce boulot-là, en fait. Je serais ravi qu'on fasse ça une fois, comme les premières vidéos que vous aviez fait, où vous ayez des breakdowns de match. Ah ouais, avec plaisir. On pourrait faire ça ensemble. Ce serait chouette. Avec grand plaisir. Maintenant, au niveau de ma chaîne, je vais rester focalisé sur le jiu-jitsu. Gi et no-gi, de temps en temps faire une incursion dans le MMA, parce que comme je disais, c'est un peu la même famille. Ouais, bah ouais. Mais ce qui m'intéresse quand je sors justement du gi et du no-gi, bah, c'est de voir un petit peu les différences, en fait. De voir un petit peu, simplement quand on regarde en gi, je vais prendre l'exemple du rear naked choke. Je vais avancer un petit peu sur la vidéo par rapport à MMA, mais le rear naked choke, il apparaît deux fois plus en MMA que en no-gi, en fait. Alors, est-ce que c'est la présence des frappes ou quoi qui fait que tu as plus de sécurité quand tu es dans le dos du gars que quand tu es en grappling? Ça c'est ma théorie. Ma théorie, c'est que pour te protéger, tu vas essayer de viser dans le dos, parce que là, il y a beaucoup moins de chances que quand tu es en monte que le gars puisse te remiser un coup. Est-ce que l'impact de ces coups en monte est important? Non, mais il peut encore toujours mettre certains coups que, théoriquement, quand tu es dans le dos, il peut plus mettre de coups. Ouais, et du coup, tu as plus tendance à voir l'étranglement arrière. Je pense que l'étranglement arrière, il revient dans 40% des soumissions en MMA, et il revient que dans 20%, je pense 19% des soumissions en no-gi, et en gi, il revient quasiment pas. Je pense que c'est un truc genre 6%, ouais. Et il revient essentiellement chez les ceintures blanches, parce que c'est une technique qu'eux ont tendance à voir au début de leur programme. Donc, tu vois, typiquement, ce genre de comparaison m'intéresse, de voir, tiens, l'influence des coups, de voir aussi un petit peu pourquoi. Voilà, tu vois, c'est ça. Ça tue. T'as mis le doigt dessus. Bah, j'ai hâte de voir ta vidéo, vraiment. Et justement, je sais pas si t'as vu dans le dernier UFC, là, le 249, le match de Brice Mitchell. Non, j'ai pas vu. Ah bah, je te conseille de le regarder. Ok. Si tu peux, regarde-le. Il est contre Marc de la Rosa, si je me trompe pas. Charles de la Rosa.
Je confonds tout le temps Marc De La Rosa. D'ailleurs, dans ma vidéo de résultats, j'ai confondu. Je sais pas, c'est De La Rosa en tout cas. Et il te casse tes statistiques parce que dans le match, il a pas placé de soumission, mais il a réussi à se mettre en position de twister 3 fois. Ah ouais. Tu vois comment ça surprend? Ouais, 3 fois, et genre dans, je crois que c'est dans le 3ème round, il fait un single leg, et du single leg, il part direct sur le twister. C'est un truc de fou. Ouais. Il avait gagné par twister son avant-dernier match, il me semble. Et voilà, donc tu vois, des stats comme ça, moi, c'est intéressant, tu vois, de savoir justement quelle place prend le twister. On sait qu'il y en a eu que deux. Tu vois, pour l'instant, il y en a eu que deux. C'était de Korean Zombie et Brice Mitchell. En UFC. Tu vois, donc les soumissions comme ça très très rares, j'aimerais bien avoir un pourcentage, savoir comment ça se passe. C'est intéressant à savoir, tu vois. Parce que c'est l'évolution, hein, de toutes les manières, les soumissions très étranges comme ça, au fur et à mesure que le temps avance, on a tendance à les voir de plus en plus. Peut-être que dans un moment, le twister, ça sera démocratisé, puis on en verra de tous les côtés, tu vois. Ouais, tout à fait. Mais c'est un peu la question des statistiques, elle est intéressante, mais à nouveau, en fait, ce que j'aime bien, je vais rebondir sur ce que Sam a dit tout à l'heure, c'est que il y a l'aspect professionnel. Enfin, on essaye d'aller plus vers du contenu professionnel entre guillemets pour essayer de populariser notre sport, dans le sens où on va de plus en plus faire des vidéos de techniques qui sont structurées, où les vidéos sont en combinaison. On va de plus en plus essayer de faire un petit peu comme moi j'essaie modestement de faire, donc des analyses de match, où on va revenir avec des statistiques, etc. Et donc ça va aller vers la popularisation de notre sport et la professionnalisation de notre sport, parce que justement ça montre que le sport est occupé de grandir, et que du coup on essaye d'aller vers une approche un peu plus analytique pour essayer d'être plus performant. Maintenant, d'un autre côté, les chiffres, ça reste des chiffres, parce qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps avec la clé de talon. Enfin, il n'y a pas longtemps maintenant, la mode de la clé de talon, on est en plus qu'en plein dedans. Mais on est sur une technique qui ne revient quasiment pas au niveau statistique à cause des règles IBJJF. Et là, débarque un groupe de compétiteurs qui n'est pas compétiteur IBJJF, qui se focalise uniquement sur cette technique-là et qui bat tout le monde dans un système de règles qui permet justement cette technique-là. Alors, est-ce que cette technique-là, du coup, elle trahit un peu les statistiques, parce que est-ce que cette technique-là est la meilleure et c'est la balle en argent qu'il faut absolument apprendre, et comme plein de gens se sont rués sur cette technique-là en disant « Ouais, maintenant, il faut que je fasse des clés de talons. Si je fais une clé de talons, je batte tout le monde. » Ou est-ce que simplement, en fait, c'est parce qu'il y avait une anomalie statistique qui était induite par les règles IBJJF qui interdisent aux ceintures noires, enfin, qui interdisent à toutes les ceintures, gi no gi, de pratiquer la clé de talon. Du coup, cette technique-là, elle est quasiment pas travaillée dans la plupart des clubs. Et quand on a des compétiteurs qui font des compétitions IBJJF ou pas IBJJF, qui s'aventurent dans des règles ADCC, grappling industrie, etc., dans lesquelles la clé de talon est autorisée, la clé de talon ne fait pas partie de leur programme, et pourtant, en fait, il y a une faille dans leur jeu que certains vont exploiter. On l'a vu avec Mohamed Ali quand il a fait la DCC récemment. Quand il était pris en clé de talon, je pense que ça a duré genre une minute le match, une minute ou deux minutes. Et tu vois que le mec, pourtant c'est un athlète extraordinaire, mais tu vois que le gars est un peu perdu dans ce jeu-là, parce qu'on le sort complètement de ce qu'il a l'habitude de faire, en fait. Ah ouais, ça va très vite, hein. De toute manière, c'est l'évolution des jeux, hein. Et puis on va avoir des nouvelles soumissions, je pense. Tu vois, pour l'instant, c'est beau, moi je trouve ça beau, hein. Comme par exemple la première fois que j'ai vu l'anaconda de Minotaur, je me suis posé la question, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, tu vois, et j'y comprenais rien. Je l'ai vu, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est, tu vois. Et il a fallu des années après que j'aille au club de Sam pour que les samedis on faisait le grappling et j'ai pu voir l'anaconda, tu vois. Tu te rappelles à un moment, Sam, en plus je t'avais demandé, je t'ai dit ouais je veux trop voir l'anaconda et tout, il nous l'a montré, il a assuré. Et ouais, ça venait de Minotaur, tu vois, parce que c'est des choses comme ça qui font évoluer le sport au fur et à mesure, et c'est magnifique, quoi. Il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Et je crois que j'ai une... Pour regarder un sport, il faut le comprendre à la base, de toute manière. Donc, je te rejoins sur ça, Olivier, aussi. C'est que, voilà, à partir du moment, de toute manière, où quand les mecs, ils sont là, ils se mettent dans la tribune, ils regardent un truc, et tout ce qu'ils voient, c'est deux mecs qui se chamaillent à se rouler le boulet par terre, tu vois. Ah ouais. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, ce qui est bizarre un peu dans le jiu-jitsu brésilien, c'est que je trouve que ce qui est un peu fou, c'est que c'est les gens qui font du jiu-jitsu brésilien qui sont acteurs un peu du jiu-jitsu brésilien. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple,
pour qu'on en arrive à des trucs que tu vois statistiques comme tu fais tout ça et tout, en un moment, c'est les mecs sont venus, ils ont mis de l'argent, ils commençaient à avoir de l'argent dans le sport, ben, on parle pas d'un sport au hasard, peu importe. Et là, ils commençaient à avoir des mecs qui rentrent, parce que moi, ça, je faisais ça à Monaco en pro, tu vois. On faisait de la vidéo tactique, tu vois. Mais et c'est marrant parce que dans le jeu brésilien, quand même, et les gens ne se rendent pas compte de cette chance-là, c'est que ça, en un moment, c'est professionnel, en fait. C'est vraiment, c'est l'étape professionnelle. Et pour, moi, je le répète, pour tous ceux qui sont compétiteurs, bouffer de la vidéo, ça devrait être une normalité, quoi. Ça devrait être une normalité. Et moi, je trouve que, voilà, c'est très bien ce que tu fais. Mais voilà, tout ça pour dire que, voilà, c'est quelque chose d'important. Et les gens, il faut qu'ils prennent conscience aussi de la chance d'avoir ce contenu disponible, tu vois. Disponible. Parce que ça, c'est pas des choses, forcément, comme tu dis, il faut passer des heures ou deux fois passer des heures et faire ton analyse toi-même, mais tu peux passer encore à côté de choses. Ou tu es dans un circuit pro où tu as des mecs qui le font pour toi, tout ça et tout. Et c'est bien quand même pour le jiu-jitsu brésilien parce qu'on a tendance à faire des trucs comme ça. Tu vois, nous, c'est un peu tout art martial et un peu pour tout le monde aussi, tu vois, mais c'est bien les initiatives comme ça. Et je trouve que dans le sport, ce qui est bizarre, c'est que quand même, il y en a pas mal. Donc j'espère que c'est un sport qui un jour passera à la télé et qui mérite. Parce que franchement, il y a plein de gens qui ont des initiatives comme ça dans notre sport. Tu vois. Là, je regardais un peu sur Facebook, surtout pendant le confinement, ça a fleuri, tu vois, et c'était cool, tu vois, les vidéos de Théo, Dani, les différents podcasts. Et je trouve que c'est un bonheur. Mais bon, tu vois, ce que je veux dire, c'est que moi, venant à la base d'un sport professionnel, tu vois, ça me fait un peu bizarre aussi que ce soit en fait les gens du sport qui fasse ce qu'il fasse ça, tu vois ce que je veux dire un peu. Ah ouais, tout à fait. Mais je pense que de un, on a de la chance parce que on est vraiment gâté en fait. On a accès à des je sais pas dans quel sport est-ce que on peut simplement envoyer un message à Lionel Messi et le mec va te répondre ou va liker une publication que tu as fait ou tu vois, je veux dire on a accès à les uns aux autres et ça c'est absolument génial. On peut prendre le TGV ou le Thalys, aller jusque chez le plus grand compétiteur de tous les temps et passer du temps dans son académie. On peut pas débarquer dans le club de Messi ou de Cristiano Ronaldo et se dire ouais moi j'ai envie de faire un entraînement avec Cristiano Ronaldo. Ça, c'est pas possible ça. Tu peux à la limite le regarder derrière un grillage à 50 mètres derrière ce que les vigiles t'autorisent à faire de telle heure à telle heure. Mais je veux dire l'approcher, lui poser des questions, etc. Enfin, je veux dire, on a cette chance dans le jiu-jitsu brésilien, et je pense que c'est ça qui fait que ça anime énormément de passion, en fait, et ça entretient aussi énormément d'énergie et de motivation de la part de plein de gens, et je pense que c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, cette passion, elle va dépasser juste notre cercle à nous, en fait. On est tellement passionnés, on parle tellement de notre art martial aux gens qui nous entourent que finalement, il y a quand même des gens qui s'y intéressent et il y a quand même des gens qui sont curieux de savoir un petit peu. Ah ouais, c'est quoi que tu fais comme sport au lit ? C'est quoi ton truc ? Ah, c'est un truc avec des soumissions et il y a des immobilisations ou c'est comme le judo ou c'est quoi la différence, etc. Donc il y a quand même des gens qui sont un petit peu curieux et tout. Tellement on est passionné par le truc. Et je pense que à partir du moment où les gens vont comprendre pourquoi on est passionné par le truc, là, notre sport peut prendre un autre niveau. Je pense qu'on est sur la bonne voie et quand je vois, par exemple, un tournoi comme le Spider, par exemple, mais c'est génial, ce truc. Ils ont réduit un petit peu le temps de match, si je ne me trompe pas, est un peu plus court. Il y a une entrée avec de la musique, on est sur une estrade, etc. Enfin, je veux dire, on est vraiment sur du show. C'est des super fights et tout. Donc ça, c'est un format qui, à partir du moment où les gens comprennent plus ou moins ce qui se passe, et je vais faire un petit parallèle après avec le quintet. À partir du moment où les gens comprennent plus ou moins ce qui se passe, et à partir du moment où les gens s'attachent aux personnalités qu'ils voient, je pense que notre sport, il va prendre va faire un énorme bond en avant. Maintenant, le truc, c'est vraiment au niveau médiatique. Et là, moi, je crois beaucoup dans YouTube et je crois beaucoup dans la communauté YouTube en règle générale. Ce que vous faites, ce que Dani fait ici, les vidéos qu'on voit de plus en plus sur passer sur Facebook, sur tu sais quand tu fais du YouTube brésilien, etc. Tous les podcasts et tout ça, il commence vraiment à y avoir du média et ça va permettre à des gens qui
comprennent peut-être moins le jiu-jitsu, de comprendre un peu le jiu-jitsu. Et donc, tous ces gens qui entendent parler par tout le monde, en fait, je sais pas moi, la cousine, la femme, la petite sœur, le frère, le voisin, etc., ils vont se dire, ah, tiens, c'est quoi ton sport ? Ah, je vais regarder une fois un match. Et à partir du moment où ils vont comprendre plus ou moins ce qui se passe, à partir du moment où ils vont s'attacher aux personnalités qu'ils voient, et à partir du moment où il va y avoir de l'action dans le match, là, je pense que notre sport, il va exploser. Parce que si je compare, et alors j'ai deux frères qui sont des passionnés de e-sport, et dont un qui était super bien classé avec League of Legends, alors faut pas me poser des questions là-dessus, moi je comprends absolument rien. Mais lui m'a dit qu'il était super bien classé, il était niveau diamant, je sais pas quoi, et donc apparemment c'était niveau compétiteur national. Il gagne des sous alors ? Il commençait à gagner des sous, était dans une team et il commençait à avoir un sponsor, etc. Je dis il commençait parce qu'il s'est passé un truc qui a fait que maintenant il ne peut plus jouer. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le débat. Okay. Bref, c'est un truc qui est occupé d'exploser. Les mecs, ils remplissent des stades de foot en Corée ou dans je ne sais pas quel pays à regarder des gens qui sont occupés de streamer une partie de jeux vidéo sur un écran. Et si je prends mon voisin à qui je vais montrer un match de JB auquel bien sûr il va rien comprendre parce que pour lui c'est deux mecs qui font des roulés-boulés à terre, si je lui montre une partie de League of Legends il va pas plus comprendre. Maintenant League of Legends, il y a un show, c'est accessible, donc n'importe qui peut télécharger le jeu, peut jouer, essayer plus ou moins de comprendre, et il y a des vidéos où il y a des breakdowns, des stratégies, il y a des explications des tactiques, il y a des statistiques, il y a des vidéos de techniques, etc., et n'importe qui peut plus ou moins s'approprier le jeu, et ils n'ont pas vraiment eu besoin des gros médias comme TF1, France 2, etc., pour arriver là. Donc moi, je crois beaucoup dans le développement du JJB, je pense qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, peut-être qu'il y a des formats qui vont être plus à même de se développer que d'autres. Moi, je pense que le quintet, par exemple, c'est un truc absolument génial, dans le sens où le quintet, si tu prends un néophyte, il ne comprend pas forcément ce qui se passe, en fait. Il va juste retenir que, lui, il a gagné, lui, il a marqué un point parce qu'il a fait une soumission. Lui, il a pas, eux deux, ils sont sortis parce qu'ils ont fait égalité. Donc, ça veut dire que maintenant, ils sont 2-2. S'il y en a un des deux qui gagne, oh putain, ça veut dire que... Excusez-moi, j'ai juré. Je sais pas si je peux jurer dans le podcast. Tu peux, tu peux. Ouais, ici, c'est freestyle. On n'a pas de sponsor, tout va bien. Ça va. Donc, c'est 2-2. Ça veut dire que si celui-là, il gagne, il va emporter le match. Ou alors là, c'est 3-2. Ça veut dire que s'il arrive à neutraliser et à faire, entre guillemets, de l'anti-jeu et faire sortir le gars, ils vont emporter, enfin, c'est 3-2, c'est 3-1, ils vont emporter le match et ils vont gagner la partie. Donc, tu n'as pas forcément besoin de comprendre la finalité de l'anaconda choke, exactement comment c'est fait, comment c'est amené, etc. L'accessibilité mais tu comprends des règles. Et exactement, les règles, elles sont accessibles. Ouais. Et ça, moi, j'aime bien ce format-là parce que ça n'implique pas forcément... Il y a toujours un débat sur les règles IBJJF et il faudrait enlever ceci, il faudrait ajouter cela, etc. Ouais. Là, ça, c'est un aparté dans lequel j'ai pas envie qu'on rentre parce que je préfère justement rester sur le quintet. Mais le quintet, c'est vraiment dire, OK, submission only, c'est par équipe, machin, il marque un point... Machin, c'est si vous deux vous êtes, il y a personne qui fait de soumission, vous sortez tous les deux. Celui qui gagne, il reste jusqu'au bout. Et donc, t'as des personnalités qui vont se créer avec Craig Jones par exemple, qui va soumettre toute l'équipe ou la moitié de l'équipe. Et du coup, au prochain match, mon voisin qui connaît rien au JJB, il va se dire, ah, je me souviens de Craig Jones, c'est le malade qui avait tapé toute l'équipe là. Ah ouais, lui, il est super chaud, lui, tu vois. Alors que en fait, le marketing, c'est fort. Voilà. Et moi, je crois dans ces formats-là en fait. D'accord. Ah non, mais c'est clair, franchement. C'est vrai que, comme tu dis, même pour le mec qui comprend pas, il sait qu'il y a des mecs qui éliminent d'autres mecs d'équipe. Et au final, si tu arrives à faire un show un peu autour de ça, tu peux amener du monde. C'est vrai. Franchement, c'est pas beau. Ouais, carrément. Et c'est Eddie Bravo qui a fait ça, non ? C'est Eddie Bravo qui a fait ça. C'est Sakuraba. Sakuraba. Ouais. Le quintet, c'est Sakuraba, et en fait, c'est sur base des règles, enfin, c'est fortement influencé par le submission only de Eddie Bravo. Et Eddie Bravo, dans un des derniers événements, le 3, je pense, il avait aligné une équipe. Donc, il avait aligné une équipe template. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, il y en avait une avec Faber, je crois. Il y avait le 2, je crois que c'était le 2 avec Faber. Le premier, je me souviens plus, je crois que c'était. Si on l'analysait le premier, Sam, je crois. Ouais, mais c'est pas grave, je me souviens un peu. Pour revenir vite fait à League of Legends, tu sais qui c'est qui joue à League of Legends, Sam ? Non. Le rappeur qu'on a reçu l'autre jour, Dooms. Ah ouais, Dooms ? Dooms de l'entourage, il est à fond dans League of Legends, il kiffe grave. Je le vois des fois, je le regarde sur Twitch, il joue comme un fou. Il a la petite chaîne et tout. Moi, j'aime bien, moi aussi, les jeux de foot, mais bon. Ouais. Je préfère c'est vrai qu'il n'existe pas de jiu-jitsu. Hein.
C'est dur à réaliser. Ouais, ah, déjà, c'est dur à réaliser, mais t'as l'UFC, hein. Ouais, partie au sol, mais ouais, franchement, franchement, c'est quand même pas facile avec un joystick pour essayer de vraiment... C'est pas comme... Par exemple, tu vois, c'est pas trop mal hein, ce qu'ils ont fait sur l'UFC, on peut en parler, ouais, c'est pas trop mal hein, le concept et tout, mais quand même, tu vois... T'as pas les bonnes sensations. Ouais. Ah, c'est pas facile, ouais, ouais. C'est pas facile, je pense, à retranscrire en vidéo, en jeu vidéo, le jutsu. Bah, je vais comparer au jeu de skate, t'as dû jouer au jeu de skate ? Ouais, ouais, tout à fait. Donc, on est d'accord que skate, le jeu qui s'appelle skate, comparé au Tony Hawk, ça aurait tout révolutionné au niveau de la maniabilité. Ah, j'ai pas joué à celui-là, j'ai joué au Tony Hawk. Je te conseille de tester skate. Moi, je sais que je jouais sur Xbox, parce qu'il existait pas sur Play, et vraiment, au niveau maniabilité, t'as l'impression de faire du skate. Tu vois ce que je veux dire avec tes doigts ? Ils ont, par rapport au Tony Hawk, ils ont augmenté le truc, tu vois, et vraiment les figures correspondent à ce que tu fais sur le joystick. Tu vois, c'est vraiment la sensation, elle est bonne, tu te la prends, tu vois. Et ça, c'est dommage que pour le jeu du UFC, la sensation soumission, elle aurait pu être un peu mieux. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas évident hein, de retranscrire cette chose-là. Et vas-y. Je pense que justement, ça c'est un des éléments qui explique un petit peu le fait que le jiu-jitsu pour l'instant, il est essentiellement pratiqué par des gens essentiellement regardé par des gens qui le comprennent. C'est que tu peux retranscrire, même avec difficulté, des mécaniques de skateboard. Tu peux retranscrire relativement facilement des mécaniques de pied-point. On l'a vu avec des jeux de baston, on l'a vu avec même le jeu UFC ou plein de. Moi, je jouais au jeu K1 à l'époque sur PlayStation 1. C'est super rigolo parce que tu appuyais sur un bouton, tu mettais des gros high kicks avec Peter Hart et tu avais le gars qui tombait. C'était. Peter Hart. Ah ouais. Voilà. Énorme. Mais tu peux retranscrire ce genre de truc, mais le jiu-jitsu, c'est tellement complexe que. C'est vraiment difficile de retranscrire la mécanique pour essayer de permettre aux gens de retrouver les sensations, en fait. Et je pense que ça, c'est une des difficultés auxquelles on fait face pour la popularisation du truc, quoi. Et une fois qu'on aura trouvé vraiment solution à ça, parce que, à nouveau, hein, je fais le parallèle avec League of Legends. League of Legends, si t'as jamais joué, tu comprends rien de ce qui se passe, en fait. Tout à fait, t'es perdu. Et tu regardes un stream, t'as trois commentateurs qui sont occupés de hurler, t'as une chaîne de commentaires avec des mecs qui bombardent des trucs à longueur de journée, ça clique dans tous les coins, tu vois les mecs qui sont occupés de jouer, ils sont occupés de cliquer dans tous les coins, ils sont à 5 de chaque côté, et tu comprends rien de ce qui se passe. Mais ça remplit des stades complets. Donc, c'est vrai. Tu vois, j'ai vraiment, je trouve déjà qu'on est arrivé à un stade qui est vraiment absolument, absolument extraordinaire. Quand je faisais le parallèle avec, enfin, je prenais l'exemple du Spider, parce que moi, c'est un truc qui attire mon attention, ce fait que tu as un show comme ça avec une estrade et avec les spotlights, un super fight, machin contre machin, etc. Moi, tout ce qui est vraiment les shows dans les théâtres, je trouve ça vraiment super classe. Mais je pense qu'une fois que. Les gens se seront attachés aux personnalités, en fait, un peu comme ils le font avec les champions de League of Legends. Ils comprennent les spécificités de chacun des champions. Et du coup, quand on regarde le jeu de Merigali, quand on regarde le jeu de Leandrolo, quand on regarde le jeu de je vais prendre un archétype, hein, mais je vais prendre Rodolfo Vieira, par exemple, qui a un jeu très typé, eh ben, à partir du moment où on voit, ou Herbert Santos, par exemple, qui a un jeu très rugueux, à partir du moment où on voit Herbert Santos arriver, si on est même quelqu'un qui ne connaît pas très bien, on se dit « Ah ok, je vois plus ou moins lui comment est-ce qu'il joue d'habitude, ou quels sont le genre de trucs qu'il va faire, donc je vais plus ou moins comprendre ce qui se passe. » Et si on arrive à ça, je pense que là, on va vraiment développer le sport, en fait. C'est clair, c'est clair. On va y arriver de manière faut positiver. Hein. Ouais, tout à fait. Si toi, Sam, tu as encore des questions? Non, moi, c'est bien, c'est cool. On a fait un bon petit tour d'horizon. Ouais, quand je dis, hein, franchement, ça fait moi qui ai vécu un peu l'époque du début, enfin l'époque du jiu-jitsu, c'est compliqué d'en faire. Je suis bien content de voir où ça en arrive. Je suis bien content de voir comment ça se développe, que ce soit à travers Internet ou à travers d'autres choses. C'est cool, tant mieux. J'espère que encore dans 10 ans, eh ben, ça passera à la télé et on parlera du jiu-jitsu comme. Et franchement, j'en doute pas. Hein, j'en doute pas parce que je me dis qu'avec l'évolution qu'il a eue en 15 ans là, je me dis que c'est bien possible que dans 10-15 ans, ça soit un sport olympique et que c'est clair. Que ça fasse partie du paysage sportif normal, quoi. Tu sais, qu'on soit plus là, je dis, c'est de la capoeira ou c'est, tu vois. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Je pense qu'on en arrive pas là, on y arrive tout doucement, tu vois. On y arrive tout doucement, c'est super bien ce qui se passe, c'est tant mieux. Et vous voyez une autre chose, pour ceux qui font du jiu-jitsu brésilien, moi vraiment, je recommande les vidéos d'Olivier, et de Dany aussi, parce que c'est vraiment,
Des fois, tu vois, moi, pendant ce confinement, j'ai un peu réfléchi aussi à ma manière d'entraîner, à ma manière de m'entraîner. Je réfléchis à beaucoup de choses. En général, quand tu es quelqu'un qui veut avancer, tu réfléchis à plein de choses, tu vois. Et ben, en fait, tu vois, c'est quand même, moi, je pense qu'en fait, quand tu es ceinture blanche, tu vois, quand tu es ceinture blanche, en dehors des techniques de roulade qu'il faut que tu connaisses, roulade arrière, roulade avant, oui, tout ça et tout, mais ça, c'est pas des trucs que. C'est que, en fait, nous, on ne fait pas un sport où on fait des katas comme du karaté, enfin, karaté basique, parce que karaté Kyokushinkai, tu vois, le karaté basique, c'est pas des karatés où des katas où tu enchaînes des mouvements. À la limite, pour moi, une blanche, je préfère qu'elle ait compris le concept de la demi-garde. C'est-à-dire que le concept de la demi-garde, c'est que si déjà il passe son bras en dessous du tien, bah, arrête, arrête, recule, recule. En fait, les concepts, en fait, plus que la technique, et ben, ces vidéos, je trouve que tu fais, Olivier, c'est bien pour ça, justement, parce qu'en fait, tu comprends plus le concept derrière tout ça. Ça fait que même à la fin, par exemple, si tu connais pas la vraie technique, mais tu sais que par exemple le mec, il faut pas qu'il rentre la tête, par exemple en dessous de toi, on va au hasard, tu vois. Faut pas que tu sais. Donc tu vas te replacer par rapport au fait que même si tu connais pas vraiment, en fait, et c'est ça qui est super important dans. Et puis ça apporte franchement aussi pour les gens qui connaissent pas du tout, tu vois. Par exemple, moi je trouve que c'est bien en fait ces petits trucs un peu courts parce qu'en fait c'est comme moi j'aime bien le football américain, tu vois, mais je peux pas regarder un match de football américain en entier, ça me fait chier. Mais par contre, je kiffe regarder les petits résumés ou des petits trucs des entraînements, tu vois, ces petits trucs. Grave. Et je trouve que c'est super important comme il dit pour justement donner un peu d'essor à ce C'est sport, tu clair, vois. c'est clair. Alors Voilà, moi je conseille à ouais, tout le après à monde, toi. je conseille à tout le monde d'aller s'abonner tout de suite à la chaîne. Ah, moi je suis abonné, hein. Moi je suis abonné. On la Ouais. voit en direct là. D'ailleurs, il faudrait que tu nous mettes une bannière. Il te manque la bannière sur Ouais, YouTube. c'est en cours, c'est en cours. Ça va alors, parfait. Donc abonnez-vous à la chaîne, c'est vachement important parce qu'il va y avoir du bon contenu par la suite. Déjà, Ça, vous il y êtes en a d'ailleurs du pour très tout bon, ça. il y en a du très bon actuellement dessus avec bah déjà rien que la vidéo, voici les trois soumissions les plus efficaces en jiu-jitsu brésilien. Rien que ça, déjà, les gens ils vont se délecter, tu vois. C'est vraiment Et quelque aussi, chose qui est regardez le combat. intéressant. Oui, Sam? Et le combat contre Lucas Lepri, contre Kenyan Duarte, comme il est décortiqué, Ouais. c'est vraiment super intéressant de comprendre ce qui se passe Mais on sent qu'il va y dans le avoir encore combat. plus de contenu et que ça va se développer grave. Et vraiment, en tous les cas, on te le souhaite. Et bah, c'était vraiment très intéressant d'avoir passé plus d'une heure et demie. Là, on a passé l'heure et demie. Et puis, on espère te réavoir aussi. Et puis, comme on a dit, on fera des analyses ensemble. On essaiera d'organiser ça, faire un petit truc. Après, moi, je suis plus MMA que Jiu-Jitsu. Je ne sais pas si ça vous dit à tous les deux de faire Bon, une Olivier, analyse MMA. ensemble. On fera ensemble. Ça y est, il me Ah, quitte. avec plaisir. Je recherche des athlètes francophones. À profiter alors. Ah, mais quand même, on en parle. Ok. Ah, je vais me Non, trouver un gars du MMA, t'inquiète. mais. Ok. Mais franchement, ça m'a vraiment fait plaisir d'être invité et tout. Et toutes ces bonnes choses que vous avez dit sur le contenu que j'ai posté, enfin, ça me va vraiment droit au cœur. Et c'est pas des faibles mots parce que vu le contenu que vous avez déjà posté et vu ce que vous faites et tout ça, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce soutien. Comme je le disais, là, le projet, c'est vraiment d'essayer de trouver la meilleure mécanique pour pouvoir continuer après le confinement. Parce qu'il y a pas mal, enfin, on a tous eu du temps pour poster des trucs pendant le confinement. Maintenant, le défi, ça va être après, quand on va reprendre les entraînements, etc., de pouvoir maintenir le volume. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir essayer de maintenir justement une qualité de production, en fait. Ouais. Et voilà, je reviendrai avec grand plaisir Carrément. pour analyser du MMA, du grappling, ou pour faire Un une petit petite collab podcast, ou voilà. Même un petit retour. une petite Ouais, discussion voilà, comme on a tout à fait, fait. ça tue, tu vois. Nous, c'est assez intéressant, rien que de se poser et de parler comme ça. C'est souvent le concept de Joe Rogan, tu vois. Lui, il dit pourquoi il fait les podcasts, parce qu'il n'a pas le temps de discuter avec les gens. Tu vois, de nos jours, c'est très difficile de se poser et d'avoir une conversation clairement, tu vois. Souvent, il y a le téléphone au milieu, il se passe quelque chose, et tu peux pas discuter clairement, tu vois, simplement comme à l'ancienne, tu vois, comme quand à l'époque où il n'y avait pas de téléphone. Et c'est vrai qu'humainement, moi, je trouve ça très bien, tu vois, j'adhère au concept et je kiffe le faire. Et aussi, si je te dis tout ça par rapport à ce que tu fais, c'est pas pour te faire plaisir, c'est parce que c'est vrai. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. Voilà. Ah, c'est clair. Donc, Merci. bah, on va te laisser le mot de la fin. Avec la petite Ouais. musique, et Ok. si tu veux dédicacer des gens, dire ce que tu veux, c'est ton moment.
Alors d'accord, d'abord, grosse dédicace ben, à tous ceux qui ont regardé mes vidéos, tous ceux qui ont liké, tous ceux qui soutiennent ma chaîne depuis le début. Je vous remercie sincèrement. Je ne serais pas interviewé ce soir si vous n'étiez pas là, donc c'est aussi pour vous que je vais continuer à poster du contenu. Je remercie aussi tous mes potes qui ont répondu à l'appel et qui ont commenté ici juste en dessous et qui ont posé des questions. J'ai pas eu le temps de vous citer les uns à la suite des autres et de vous remercier chacun, mais je vous remercie tous d'avoir commenté, d'avoir été là ce soir pour regarder ce podcast et surtout je vous remercie encore une fois tous les deux de m'avoir invité, ça a été vraiment un kiff, donc je reviendrai avec grand plaisir quand vous voulez. Cool, vraiment merci, merci à toi. Sam ? Ah non, c'est cool, hein. Moi je lui dis allez-y, abonnez-vous à sa chaîne, vous avez profité d'un contenu professionnel, franchement c'est bien fait, tout est carré, c'est amusant, moi j'aime bien. Moi, quand c'est comme ça, je dis c'est américain, tu vois. Il y a tout qui, le show, il y a tout, c'est ça. Pour moi, c'est américain, tu vois. C'est ça le but, hein, tu vois. Parce que voilà. Et puis franchement, par exemple, les gens, ils disaient pendant le confinement quoi faire, tu vois. Et ben ça, je trouve que quand tu peux pas t'entraîner physiquement, c'est peut-être le meilleur moyen de t'entraîner, justement, c'est de comprendre le jeu et d'essayer de visualiser, et ça c'est un autre entraînement, mais c'est un entraînement super important, donc lui il le fait pour vous et vous le réduire un truc de 3 jours ou 4 jours en 15 minutes, donc autant profiter, voilà, c'est donc clair. Abonnez-vous, force à toi. Force, grave. Voilà. Merci les gars. Avec plaisir, le podcast 78 est fini, on se retrouve cette fois samedi 16, donc pas demain. Donc le confinement est fini, on va ralentir un peu les podcasts, on va essayer d'en faire deux par semaine si tout va bien. Donc ce samedi 16 à 19h, on reçoit Fred Mastro, un spécialiste de la self-défense, et on va faire un petit débat self-défense jiu-jitsu, ça va être très intéressant, donc soyez au rendez-vous. Je vous rappelle, depuis pas longtemps, on a accès à la boutique du podcast, on a les sweatshirts, les t-shirts, tout ce qui s'ensuit. Vous pouvez aller sur le site directement, on va mettre le lien dans la description. On remercie tout le monde sur le chat, tous les gens qui ont été avec nous, et on se retrouve samedi. Merci à tout le monde. Fight time. Merci. Peace. Peace.